problème de micro est résolu. On était en live il y a 15 minutes avec un gros problème de micro et là je pense que ça devrait être bon normalement. J'attends quelques instants que vous reveniez et vous me dites si quand vous êtes là, est-ce que c'est bon. Tout est bon, 13 bis qui me dit super, bah ça c'est parfait. Ouf, j'ai eu un peu peur. Donc aujourd'hui on va parler donc de la condition Toubab. Je dis ça aussi pour les personnes qui vont regarder le live en replay. Donc on a lancé le live pendant 15 minutes, il y avait un problème de son et de micro. Mais en fait j'avais juste branché un nouvel écran. Ce qui faisait que c'était le micro de cet écran, je savais même pas qu'il avait un micro cet écran, qui prenait le son. Et donc c'était catastrophique, on entendait un ordinateur qui souffle, ce qui est mon ordi. Bref, ça marchait pas du tout. Là maintenant tout va mieux, normalement. J'ai grave rapproché mon micro, alors je vais peut-être l'éloigner un peu. Et vous me dites, parce qu'il y a peut-être quand même un petit bruit sourd derrière. S'il y en a un, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, je suis content que vous soyez là, en tout cas, parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur. Puisqu'on va parler de la condition Toubab, entre guillemets. Hein, qui est un texte, un article qui a été publié sur la revue AOC. AOC Média, ça veut dire Analyse, Opinion, Critique. C'est un média qui est assez cool, je vous conseille vraiment d'aller voir. Il y a des articles intéressants d'analyse, donc d'opinion et de critique. Et donc là, c'est un article d'opinion qu'on va lire, rédigé par Jean-Loup Amsel, qui est un anthropologue, comme c'est écrit sur la petite vignette que j'ai mis là, qui est un anthropologue, mais qui est aussi un ethnologue, et qui a travaillé pas mal en Afrique, notamment ancienne colonie française. Salut Antipatriarcam. Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous voir du coup. Merci pour les informations, de me dire que c'est bon, ça fonctionne correctement cette fois-ci. Tout va bien, c'est parfait. Alors aujourd'hui, l'article qu'on va lire, il n'est pas ultra long, mais ça va nous permettre d'ouvrir certaines références qui sont, je pense, intéressantes pour aborder cette question de Toubab, entre guillemets, mais aussi qui sont intéressantes pour penser tout ce qui se passe actuellement, puisque vous avez vu que chaque semaine depuis... depuis quelques mois, là, maintenant, on a une nouvelle polémique autour de la question du racisme. Salut Antoine Arinda, ça fait plaisir de te voir ici. Salut Nibbler. Salut tout le monde. J'espère que les autres personnes qui étaient là tout à l'heure vont avoir la motive de revenir. Mais je pense que oui, ça devrait le faire. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à lire l'article. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jean-Loup Amsel. Mais je vais vous expliquer un peu qui c'est, et vous allez comprendre pourquoi je trouvais ça intéressant de lire un article écrit par lui, surtout sur cette thématique de la condition Toubab, et donc Babtou, Toubab, je sais pas si vous utilisez le mot. J'ai fait un petit sondage sur Instagram tout à l'heure pour voir qui utilisait le mot, je vous dis un petit peu à l'oral ici les résultats. En story, j'ai demandé qui utilise... Est-ce que vous utilisez le mot Toubab? Attends, peut-être, je sais pas si ça va se voir, mais... Hop là. Voilà. Je me demandais, est-ce que vous utilisez... Oula. Ouais, le mot Toubab. Voilà. Et les gens ont répondu. 1200 personnes ont dit non. Et 336 ont dit oui. Enfin, yup. Et en gros, la majorité des gens ne l'utilisent pas. Après, je me suis dit peut-être que c'est... Enfin, la majorité des gens de mon public, très spécifique, hein, qui ne l'utilisent pas. Et je me suis dit peut-être que c'est parce que j'ai écrit Toubab au lieu de Babtou. Peut-être que les gens utilisent beaucoup plus le mot Babtou et pas le mot Toubab. Je me suis dit ça peut-être. Salut la femme périphérique, salut Totem, salut tout le monde. Bref, en tout cas, ah oui, on entend les alertes aussi. En tout cas, voilà, salut Libune. J'ai répondu non, mais c'est en verlan que je l'utilise. Voilà, 13 bis, c'est exactement ça. Je me suis dit, en fait, les gens utilisent beaucoup Babtou. Et pas beaucoup Toubab. Mais là, vu que c'est Jean-Loup Amsel et qu'il a un certain âge et qu'il a en plus travaillé en Afrique, bah, il utilise le mot Toubab parce que c'est vraiment le mot qui est utilisé. En tout cas, il a travaillé au Mali et c'est vraiment le mot parce que c'est un mot qui vient d'une langue africaine, mais on va le voir dans l'article qu'on va lire. Salut Mariemta, ça fait plaisir de te voir ici. Mariemta qui est la réalisatrice ou l'autrice du podcast Afrotopique que je vous conseille d'aller écouter dès maintenant, mais je vais vous en faire une petite pub. Ah, attendez, je vais vous faire la pub tout de suite parce que moi je l'aide un petit peu sur Afrotopic et c'est vraiment un podcast de grande qualité si vous vous intéressez aux questions d'écologie, mais de repenser les futurs à partir des points de vue des mondes africains. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite comme ça. Je fais une petite pub, voilà, Afrotopic sur R22, sur SoundCloud, etc.
et c'est un super travail de grande qualité. Je vous conseille vivement d'aller écouter ça. Il y a, je crois, plus d'une quinzaine d'épisodes qui sont sortis. Le dernier en date sur Emmanuelle Ndionne. La recherche populaire, dynamique pratique de l'émancipation collective. Et donc, c'est voilà, un épisode qui se passe au Sénégal, si je me trompe pas. Salut, salut Vipère Bleue. Moi qui pensais que Toubab c'était en verlan. Ah ben non! Babtou, c'est le verlan de Toubab. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont envoyé par message. Ah oui, mais on dit Babtou en fait. Mais j'étais en mode, ben oui, mais c'est le verlan. Salut Gritch. Salut Ablakata. Salut, salut tout le monde. Voilà. Alors il y a Totem qui dit aussi, j'ai mis oui parce que j'utilise Babtou. Ah bah voilà, bien joué Totem. Donc là j'ai fait la petite pub. Donc pour Afrotopic, je vous conseille d'aller voir donc sur R22, mais aussi sur d'autres plateformes. Il n'y a pas que R22. Vous pouvez aussi aller voir sur SoundCloud, sur plein de. Sur Imago TV, sur aussi. Comment on appelle de Spotify. Je crois qu'elle est sur Spotify aussi. Bref, je vous laisse regarder. Moi, je vous ai mis toutes les sources dont on va parler aujourd'hui, comme d'habitude sur mon Twitch, sur mon Trello, excusez-moi. Voilà, donc sur mon Trello, vous avez la condition Toubab ici, et là, vous avez toutes les sources que je vais aborder qui sont visibles. Donc, si vous voulez checker en même temps ce que je dis ou un lien que je suis en train d'ouvrir, vous allez voir. Et si vous regardez la vidéo en replay, bah, vous savez que vous pouvez aller sur mon Trello. Le lien est dans ma bio ou dans la description de cette vidéo, et puis vous aurez le petit onglet sur Twitter, enfin sur mon Trello, voilà. Toutes les infos ici. Et sinon, dans le chat, voilà, comme 13 bis l'a fait, vous appuyez point d'exclamation source et vous aurez le lien du Trello qui s'affiche et vous pouvez aller checker les sources en direct. Voilà. Salut Rokaya, non pas du verlan, Toubab vient du Wolof qui veut dire blanc. Ouais, exactement. Toubab, mais alors on va en parler tout de suite. Et Manzel Wiwi qui dit Afrotopique, trop bien ce podcast. Ben voilà, il y a déjà des auditeurs et des auditrices d'Afrotopique parmi vous. Super. Donc, nous, ce qu'on va lire, c'est cet article-là. Paru donc sur AOC. D'ailleurs, c'est Marie Emta d'Afrotopique qui m'a conseillé d'aller checker cette revue. Ça s'appelle La condition Toubab par Jean-Loup Amsel, qui est donc anthropologue. Toubabou, c'est ainsi que les Blancs européens ont pu être appelés dans les ex-colonies africaines. Loin d'un racisme anti-blanc, ce terme a donné un aperçu à ces étrangers du sentiment de la perte de leur individualité qu'expérimentent les Noirs et les Arabes lorsqu'ils sont désignés ou insultés en tant que tels, car purement assignés à leur race. La notion fustigée de privilège blanc prend alors tout son sens, parce que c'est la non-mixité prévalant dans la société qui refuse de traiter les racisés comme les républicains qu'ils veulent être. C'était une intro un peu costaude, mais je vais essayer de la décortiquer un petit peu avec vous. D'ailleurs, je vais vous donner mon interprétation de ce qu'il dit, mais si enfin, vous interprétez les choses différemment, n'hésitez pas à me le dire. Ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais vous parler de Jean-Loup Amsel. Avant de commencer à vraiment à lire ce qu'il a dit, Jean-Loup Amsel, c'est donc comme je vous ai dit, hein, les sources sont dans vous appuyez sources et vous avez le lien sur mon Trello. Jean-Loup Amsel, c'est ce monsieur, voilà, anthropologue français et donc voilà, né à Marseille en 1942, c'est un anthropologue et ethnologue français. Il est directeur d'études émérite à l'EHESS et ancien rédacteur en chef des Cahiers d'études africaines. Je vous fais rapidement le début, hein. Il va en parler dans son article de toute façon. Ils disent, formé en anthropologie sociale et en ethnologie, Jean-Loup Amsel a réalisé des travaux sur le terrain au Mali, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Alors là, selon cet article Wikipédia, il serait l'inventeur d'une anthropologie des branchements. Mais il nous manque une référence qui le prouve correctement. Donc cette anthropologie des branchements, ce serait la manière dont une culture se nourrit d'influences différentes. En tout cas, il poursuit des recherches sur des thèmes comme l'ethnicité, l'identité, le métissage, mais aussi sur l'art africain contemporain, de même que sur le multiculturalisme, le postcolonialisme et le subalternisme. Alors là, ça fait beaucoup de mots compliqués, mais on va voir un petit peu plus en détail ce que c'est.
En 1998, il a dirigé avec Emmanuel Sibeud un ouvrage consacré à Maurice de la Fosse, dont on va parler. Vous allez voir, Maurice de la Fosse, personnage important de l'histoire coloniale française, qui est l'un des pionniers de l'ethnographie africaniste française. Alors là, retenez bien ça en tête, l'un des pionniers de l'ethnographie africaniste française, parce que vous allez voir ce qu'il a écrit par la suite, et c'est ça en dit long sur la manière dont l'ethnographie africaniste française a été conçue. Alors bref, vous avez les publications de Jean-Louis Amsel, il a écrit plein de trucs, comme Les négociants de la savane, Histoire et organisation sociale des Kouroko au Mali. Il a écrit Au cœur de l'ethnie, avec, il a écrit avec le penseur Elikia Mbokolo, que je vous conseille d'aller checker aussi, qui fait un travail, c'est un penseur congolais, spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle de l'Afrique. Bon, je vous conseille d'aller voir ce que fait Elikia Mbokolo. Mais en tout cas, avec Jean-Louis Amsel, ils ont écrit « Au cœur de l'ethnie, ethnie, tribalisme et État en Afrique ». C'était en 1985. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'auraient peut-être pas forcément utilisé tous ces vocabulaires-là. Je ne sais pas. Bon, il y a plein de choses. Il a écrit « Vers un multiculturalisme français, l'empire de la coutume ». Il a écrit « L'ethnicisation de la France » en 2011. Bon, plein de choses que je vous laisserai aller voir. Mais nous, on va checker sur le site Cairn, que je vous conseille de toute façon toujours d'aller voir. Dès qu'il y a un penseur ou une penseuse, surtout des personnes françaises qui vous intéressent, allez faire un tour sur le site Cairn et vous allez trouver un certain nombre d'ouvrages en fait, ou d'articles de ces personnes. Alors, j'ai beaucoup parlé, hein, mais n'hésitez pas à m'interrompre sur des trucs s'il y a des questions que vous vous posez ou autre. Il a écrit par exemple les ambiguïtés de la critique postcoloniale. Il a écrit « Le métissage, une notion piège ». Il a écrit « Emballement », enfin, il a participé à des textes où il a écrit « Emballement ethnico-religieux au Mali ». Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est un anthropologue et un ethnologue qui s'intéresse vraiment aux questions de l'Afrique de l'Ouest, notamment des anciennes colonies françaises, mais qui n'est pas réellement un post-colonialiste ni un décolonialiste. On va revenir sur ces mots précisément, mais il le dit très clairement dans un article, par exemple, qu'il a écrit qui s'appelle « La fracture postcoloniale », qu'il a écrit en 2007, et dans lequel il fait vraiment une critique de ce qu'il considère comme le postcolonialisme. Et là, il faut bien se rappeler qu'il y a différents courants. Souvent, vous allez voir dans les Unes du Point ou de l'Express ou autre, des grands titres qui disent les nouveaux... je sais plus c'était quoi qu'ils ont sorti. Les nouveaux orthodoxes ou je sais plus quoi, décolonialistes, indigénistes, racialistes, etc. Bon, en vrai, c'est des courants de pensée légèrement différents, tous ces courants. Donc, il y a l'indigénisme qui est un courant issu du décolonialisme, qui est lui-même issu du postcolonialisme, qui est lui-même issu plus généralement de l'antiracisme, enfin, qui est une forme d'antiracisme, etc. Mais donc, c'est tout un truc compliqué qu'il ne faut pas amalgamer en une seule chose. Et c'est un peu ce que fait ici, dans cet article, par exemple, Jean-Louis Amsel. Il s'attaque au postcolonial en critiquant, en fait, surtout les travaux d'un parti qui s'appelle le Parti des Indigènes de la République et qui sont vraiment des indigénistes et pas seulement des postcolonialistes. Donc il fait une critique. Bon, bon, je vous en dis pas plus, c'est un peu compliqué ce que j'ai dit déjà là. Mais on y reviendra sur des vidéos. Je pense que je vais faire une série de petites vidéos sur ce sujet pour vous permettre de bien comprendre c'est quoi les différences entre tous ces courants en fait. Les différences et les liens aussi. Bon, là, c'est un article très long, mais je vous donne, je vous lis juste la conclusion, c'est un peu spoil, mais ça vous permettra de voir comment il critique le postcolonialisme, par exemple, pour bien comprendre que c'est pas du tout un auteur postcolonial, mais c'est quand même lui qu'on va lire aujourd'hui. Alors, les mouvements aussi, 13 bis qui dit « les définitions sont assez différentes, les mouvements aussi ». Barbure qui dit « Les indigénistes, ça désigne un vrai courant. J'ai toujours cru que c'était juste une insulte de gens de droite qui n'y connaissaient rien. » Non, en fait, ce qu'ils appellent l'indigénisme, c'est le Parti des Indigènes de la République, qui est une branche donc du décolonialisme. Je ne sais pas comment le dire correctement, mais en tout cas, c'est des décolonialistes qui, en plus, sont indigénistes. Et ça, tu peux aller voir ce qu'ils ont écrit sur leur site « Les Indigènes de la République ». Et sur d'autres choses, mais je vais en parler un petit peu après dans cet article, on va y revenir un tout petit peu. En tout cas, Jean-Louis Amsel, par rapport au postcolonialisme, il dit « Alors qu'aux États-Unis, le postcolonialisme bat de l'aile,
Les médias français, depuis quelque temps, ne cessent de nous répéter que notre pays souffre d'un déficit d'analyse en termes postcoloniaux ou subalternistes. Et que c'est ce déficit qui explique pêle-mêle la crise de l'édition en sciences humaines, le malaise républicain et la crise des banlieues. La faute en reviendrait aux vieilles analyses des maîtres penseurs de la génération précédente, Bourdieu notamment, lesquels, en mettant au jour les mécanismes de domination, de façon aussi subtile soit-elle, se seraient soigneusement gardés de donner la parole au peuple et se seraient donc comportés comme des maîtres censeurs. Selon ces mêmes commentaires, une génération toute fraîche de penseurs à l'écoute du peuple serait en train de se lever, cet essor étant relayé au sein de l'édition par la traduction de toute une série de livres anglophones dont la méconnaissance serait largement à l'origine du délitement présent du débat intellectuel. En réalité, cette approche populiste du social et la culpabilisation du regard du chercheur en sciences sociales qui lui est associé est tout sauf nouvelle, puisque la thématique des rapports entre anthropologie et colonialisme avait déjà, au cours des années 1970, largement labouré ce domaine de recherche. On peut donc se demander si le retour de la French Theory dans son pays d'origine, ou l'adoption des théories postcoloniales et subalternistes qui sont censées en être issues, est, à l'heure où ces idées sont démonétisées, outre-Atlantique, véritablement une bonne chose pour le renouveau du débat intellectuel dans l'Hexagone. Donc je ne sais pas si c'était très clair, mais vous voyez que ici, Jean-Louis Hamsel est très critique du postcolonialisme, qu'il associe beaucoup à une forme de populisme, en fait, qui ne serait mal informé sur l'histoire des idées et les mouvements des idées. Je vous laisse lire l'article parce qu'il est très long et il essaye vraiment d'expliquer pourquoi il est contre le postcolonialisme, mais moi je trouve qu'il résume trop le postcolonialisme, qui est un courant très large, à l'indigénisme en fait. Et en fait, il devrait vraiment faire une critique de l'indigénisme s'il veut, mais c'est dommage de rassembler tout le courant postcolonialiste à ce qui se passe au niveau des indigènes de la République. Bref, ça c'est mon avis, mais je vous laisse vous faire votre propre idée en regardant. Ça vous permettra de comprendre qui est le personnage. Après, je vous donne juste le conseil. Je vous conseille de regarder, de lire aussi l'article qui s'appelle « Le métissage, une notion piège ». Je vous conseille aussi de lire l'article qui s'appelle « Philosophie de la traduction » ou « Universalisme matriciel ?» Parce qu'en gros, Jean-Louis Hamsel se considère comme un universaliste. Mais pas comme les universalistes de type Marianne, Le Figaro, etc. Ou de type nos ministres Vidal et autres. Il les critique violemment, mais il se considère quand même comme un universaliste. Et pour vous en parler un petit peu, je vais vous montrer tout de suite l'extrait d'une rencontre entre lui, donc Jean-Louis Hamsel, et Souleymane Bachir Diagne. Mais d'abord, je lis un peu vos commentaires. Vous dites, 13 bis qui dit « De mémoire, le pire rappelle le stigmate du mot indigène et le revendique, puis il y a tous les écrits. » Ouais, c'est ça, le pire, c'est le Parti des indigènes de la République, revendique le terme indigène, justement, comme élément central pour définir une lutte, en fait, sociale, et beaucoup autour de la notion de race. Et donc, je vous laisse regarder ce qu'ils disent. Donc, c'est un courant spécifique du décolonialisme, qui est un courant spécifique du postcolonialisme, bref. Et donc, voilà. Donc là, on va regarder rapidement quelques minutes d'un entretien entre Jean-Louis Hamsel et Souleymane Bachir Diagne, qui est du coup un penseur africain avec qui, en fait, ils ont écrit un article tous les deux. Enfin, ils ont écrit un livre tous les deux ensemble. Et c'est pour ça que Jean-Louis Hamsel fait cet article-là qui s'appelle « Philosophie de la traduction » ou « Universalisme matriciel ». Parce qu'en gros, Souleymane Bachir Diagne est un post-colonialiste qui promeut une philosophie de la traduction comme nouvelle manière de faire l'universel, alors que Jean-Louis Hamsel promeut un universalisme différent de l'universalisme républicain traditionnel. Bref, je vous montre un peu ce que ça donne quand ils échangent, sachant qu'ils sont pas du tout d'accord tous les deux. Mais ils arrivent à être courtois. Et par la suite, nous avons continué à dialoguer par texte interposé. Jean-Loup a consacré un chapitre final d'un ouvrage qu'il a écrit à ce qu'il a appelé « Ma philosophie musulmane ». Il nous a semblé, lorsque nous nous sommes rencontrés au Festival du livre de Paris de l'année dernière,
que la meilleure chose à faire, c'était au fond de nous asseoir ensemble et d'échanger sur des sujets qui sont des sujets de préoccupation commune. Et il nous a semblé important de le faire parce que lui et moi, me semble-t-il, représentons dans la configuration générale de ce qu'on pourrait appeler les études postcoloniales, les études, les réflexions décoloniales, des positions qu'il est probablement important et intéressant de confronter et d'offrir à des lecteurs. Alors vous venez de prononcer les mots postcolonial, décolonial. Jean-Louis Hamsel, le sous-titre du livre, c'est « Universalisme et pensée décoloniale ». Comment est-ce qu'on est passé des études postcoloniales, finalement, à la pensée décoloniale? Si je vous ai bien lu, ce n'est pas la même genèse. Non, ce n'est pas la même genèse. Parlez bien dans le micro. Oui, ce n'est pas la même genèse parce que les études postcoloniales mettent en exergue le rôle de la traite esclavagiste atlantique et de la colonisation dans la configuration du monde actuel, y compris au sud, y compris au sud comme au nord, hein, y compris pour ce qui concerne les banlieues, les quartiers, comme on dit ici, des villes françaises ou des villes européennes en général. Le paradigme décolonial, c'est différent parce que c'est essentiellement l'œuvre de penseurs latino-américains et ça fait remonter notre modernité actuelle à 1492, qui est une date pour eux charnière dans l'histoire de l'humanité, au sens où c'est en 1492 que les Juifs ont été expulsés d'Espagne, que les musulmans ont été expulsés d'Espagne, et que l'Amérique a été découverte ou envahie, selon les points de vue. Parce que pour les décoloniaux, évidemment, il s'agit d'une invasion de l'Amérique et pas d'une découverte. Donc c'est dans le cadre de ces deux paradigmes que nous avons été amenés, Souleyman, et d'ailleurs je reconnais que c'est son mérite parce que je l'ai un peu égratigné dans mon livre « L'Occident décroché », mais comme c'est un homme de dialogue, et c'est un des seuls d'ailleurs qui a accepté de dialoguer avec moi à la suite de la parution de ce livre, donc je reconnais ses mérites, nous avons décidé d'échanger nos points de vue, et notamment sur la question de l'universalisme, parce que nous sommes tous les deux universalistes, ce qui n'est pas le cas de tous les post-coloniaux et décoloniaux, mais nous ne sommes pas universalistes de la même façon, pour les mêmes raisons. Lui est un universaliste de la triangulation, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs langues pour que l'universalisme s'exprime, hein, c'est ce qu'il appelle penser de langue à langue. Moi, je suis un universaliste qui pense qu'il faut privilégier les ressemblances entre les cultures plutôt que de mettre l'accent sur les différences. On va y revenir, mais vous allez trop vite parce que j'ai une question de Candide à poser à Souleyman Bachir Diagne. Quand on entend postcolonial ou décolonial, est-ce qu'il faut le comprendre comme anticolonial? C'est vraiment une question de Candide. C'est sûr que ces champs sémantiques se recouvrent. Il s'agit toujours, dans les deux cas de figure, de faire pièce à la colonisation. Et de ce point de vue-là, anticolonial serait un bon chapeau pour les deux termes. Dans le postcolonial, il s'agit effectivement de prendre la mesure de ce qui est devenu notre monde. J'insiste sur la date de Bandung. Je crois que la date de Bandung, 1955, cette conférence de Bandung, où des pays déjà décolonisés se réunissaient avec des pays africains qui allaient être décolonisés, et ces pays se réunissaient en l'absence de l'Occident, c'était important, se parler directement. Donc ce monde qui allait se mettre en place après Bandung, c'est le monde du pluriel, de la pluralité, effectivement, de culture et de langue, considérée désormais comme toute équivalente. Ça mettait fin à ce qui était l'universalisme, un universel assuré de soi-même, où au fond, l'Europe ne se posait pas de questions, elle avait la particularité d'être universelle, si vous pensez ce jeu de mots facile, et puis son universel, au fond, devait orienter le reste du monde. C'est cette forme d'universalisme qui a explosé avec Bandung. Alors, j'arrête là, mais je vous conseille vraiment d'aller écouter ce petit débat entre Souleyman Bachir Diagne et Jean-Louis Hamsel. Et donc voilà, ça vous a permis de voir un peu comment s'exprimait Jean-Louis Hamsel, parce que moi j'aime bien quand on lit l'article de quelqu'un, qu'on puisse aussi l'avoir vu s'exprimer et voir comment il est, quoi. Et donc je vous conseille aussi de lire cet article-là, qui s'appelle « Décoloniser l'universel ». Qui a été écrit par Nadia Yala Kisukidi, qui est une penseuse extrêmement intéressante. Et donc elle a écrit cet article qui s'appelle « Décoloniser l'universel », où elle revient justement sur le livre qui a été coécrit par Souleyman Bachir Diagne et Jean-Louis Hamsel.
Et elle revient dessus en expliquant en fait les positions des deux et comment, même si leurs idées semblent se rapprocher, en fait, ils sont profondément en désaccord, notamment sur la question du postcolonialisme, du décolonialisme, etc. Puisque Jean-Louis Hamsel maintient, persiste et signe, il est contre le décolonialisme, contre le postcolonialisme. Mais quand même, je trouve très intéressant de lire ce qu'il écrit dans cette revue de presse décoloniale. Alors, bonsoir Jeanne d'Arc. Donc voilà, on va commencer vraiment, donc maintenant qu'on a présenté un petit peu plus, on va commencer vraiment à lire cet article. Et donc qui s'appelle La condition Toubab. Et juste, je vous dis, il y a pas mal de pas mal de sources dont on va parler qui sont disponibles dans cette vidéo. En fait, on va parler de plein de notions que j'ai déjà expliquées dans cette vidéo qui s'appelle Vocabulaire, race, racisme, racisé, privilège blanc, indigénisme. Donc, qui était la revue décoloniale numéro 5 et que vous retrouvez sur YouTube si vous voulez la voir. Franchement, il y a pas mal d'infos. C'était une interview de Sarah Mazouz qui expliquait très bien tous ces concepts. Ça nous a permis vraiment de creuser et de mieux comprendre qu'est-ce que tout cela signifiait. Voilà, donc je vous conseille, si vous regardez surtout le replay, d'aller checker ça. Et si vous regardez en direct, bah, vous pourrez le voir à la fin si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, Jean-Louis Hamsel nous disait, Toubabou, c'est ainsi que les blancs européens ont pu être appelés dans les ex-colonies africaines. Loin d'un racisme anti-blanc, ce terme a donné un aperçu à ces étrangers du sentiment de la perte de leur individualité qu'expérimentent les Noirs et les Arabes lorsqu'ils sont désignés ou insultés en tant que tels, car purement assignés à leur race. Là, ce que dit Jean-Louis Hamsel, c'est que le terme Toubabou, c'est un choc pour pas mal de personnes blanches européennes qui arrivent dans une ancienne colonie africaine, parce qu'en fait, d'un seul coup, ils deviennent représentants d'un groupe entre guillemets racial. On les identifie à leur couleur de peau, ce qui ne leur était quasiment jamais arrivé en France, enfin très peu en tout cas, notamment pour les gens de sa génération, parce que, en fait, il y avait une majorité de personnes blanches. Et donc, c'est justement le fait d'avoir ce choc quand on sort de son pays, qui est justement cette notion, donc lui, il dit la notion fustigée de privilège blanc prend alors tout son sens, parce que c'est la non-mixité prévalant dans la société qui refuse de traiter les racisés comme les républicains qu'ils veulent être. Donc là, j'essaie d'expliquer aussi ce qu'il essaie de dire par là. C'est qu'en fait, donc, ce privilège blanc, selon lui, dans cette situation, ce serait le fait de universaliste. Elle désigne la volonté de la population majoritaire de s'abstraire de toute appartenance à une identité coloré, entre guillemets, cette identité fut-il, entre guillemets, blanche. C'est ce qu'on nomme l'aveuglement à la couleur, ou color blindness. Donc en gros, il dit que, dans sa compréhension, le privilège blanc, cette notion de privilège blanc, en fait, elle a été donc mise en avant par les décoloniaux, mais elle a été refusée donc par le printemps républicain, par la droite et par la gauche universaliste, parce qu'en fait, ce privilège, donc c'est ce que je vous disais dans le paragraphe juste avant, ça désigne le fait que la majorité de la population, donc la population blanche, refuse d'être liée à une identité colorée. Et donc, si je comprends bien, hein, et donc bénéficie de ce privilège de ne pas avoir à se colorer, en fait. Pour revenir sur le terme racisme anti-blanc qu'il a utilisé tout à l'heure, je vous rappelle que la référence, le seul livre en tout cas que j'ai trouvé concrètement sur cette notion, c'est un livre qui a été écrit par Tariq Yildiz et qui s'appelle Le racisme anti-blanc, ne pas en parler, un déni de réalité. Alors, c'est un peu tout petit livre, j'ai pas du tout vu de gens qui ont repris ou rebondi vraiment sur ce truc. Ah, alors là, je crois que y a un bug. Sabotage, ça fait travailler l'endurance. Ah là, y est. Alors attendez. C'est peut-être ma 4G qui flanche. Je vais relancer donc le stream. On a raté un bout, mais je crois que c'est revenu. Est-ce que vous avez réussi à me ravoir à l'image ou pas? Chez moi, c'est revenu, mais peut-être pas chez tout le monde. Ah, et aujourd'hui, c'est pas facile, hein. Live instable. Hop, j'essaie d'afficher pour voir si je le vois. Ok. C'est bon pour tout le monde. Ok, super. Désolé pour ce bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Normalement, tout va bien chez moi, mais ça a sauté, quoi. Donc j'étais en train de vous lire sur le racisme anti-blanc, donc un livre qui a été écrit par Tariq Yildiz, et qui revient donc sur cette notion de racisme anti-blanc. Honnêtement, voilà, j'ai pas vu beaucoup de reprises de ce livre, donc je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker ça. Tariq Yildiz, c'est ce monsieur qui a écrit tout un tas de livres aussi sur les questions d'islam, etc. Et bon, voilà, moi, c'est pas quelqu'un avec qui je partage beaucoup d'idées, hein. Je vous le cache pas. Mais je vous le montre quand même, parce que je pense que c'est important de savoir qui parle de racisme anti-blanc, voilà, comme ce qui était cité ici. Et pour revenir donc sur la notion de privilège blanc, dont on a parlé là tout de suite, on l'a vu aussi dans ma vidéo précédente, la revue de presse numéro 5, mais je reviens quand même dessus, c'est une notion qui a été conçue par Peggy McIntosh, qui est elle-même une femme blanche américaine, et qui du coup a conçu ce concept de privilège blanc. Je vous montre pas ce qu'elle dit parce qu'on a déjà vu un petit peu, on l'a déjà vu un peu parler dans d'autres vidéos. Mais par exemple, elle le présente comme How to recognize your white privilege and use it to fight inequality. Donc pour elle, le privilège blanc, en fait, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire que on peut reconnaître le fait qu'on a des privilèges en étant une personne blanche, ce qui ne veut pas dire qu'on a des privilèges dans tous les domaines. Peut-être qu'on n'a pas de privilèges sociaux, pas de privilèges en termes de richesse, mais d'autres privilèges. Enfin bref, c'est un privilège parmi d'autres. Et en tout cas, elle pense que le fait de le reconnaître permet de l'utiliser, enfin peut permettre de l'utiliser pour développer une empathie par rapport aux gens qui n'ont pas forcément ce privilège, ou alors s'en servir pour aider à lutter contre les inégalités. Et ça, je vous laisse checker ce qu'elle dit pour voir si vous êtes d'accord ou pas du tout. Il y a des critiques à faire sur son concept. D'ailleurs, Le Point, qui n'est pas forcément un journal que je citerai comme référence, mais alors attendez, ouais voilà, mais ils ont écrit cet article qui s'appelle « Privilège blanc, ce qui se cache derrière le slogan », dans lequel une des critiques qui est faite à Peggy McIntosh personnellement, c'est le fait qu'elle soit quand même de classe plutôt aisée aux États-Unis, et qu'en fait, selon par exemple les auteurs de cet article du Point, ils pensent qu'elle confond son privilège de classe avec un privilège blanc, et en fait qu'elle est surtout une personne très très cosy de la société américaine, très très privilégiée de base par son niveau social, avant d'être privilégié par sa blanchité. Mais voilà, ça c'est un des types de critiques qui peut lui être faite. Et je vous laisse vous faire une idée. Bon voilà, moi je suis pas forcément d'accord avec cette idée, mais je pense qu'il faut être capable d'entendre les différents points de vue. Voilà. Je continue à lire donc. Ah oui, non, juste avant, je reviens sur la notion de color blindness. Désolé, je vous montre plein de liens au début, parce que je pense que c'est important juste pour situer le champ, et après on va lire beaucoup plus fluidement l'article. Alors je regarde Kumokun qui dit c'est un article de Kiet, journal libertarien alt-right anglophone antisocial justice warrior, traduit par Peggy Strat, qui est full causer. Ok, super, merci beaucoup comme Kumokun. Ouais, effectivement, donc je ne l'ai pas cité là, mais c'était écrit en dessous de l'article sur Le Point. C'est une critique faite donc plutôt par l'extrême droite américaine, à ce que je vois, mais c'est juste pour vous dire que c'est le type d'argument que vous allez entendre. Donc si vous voulez aussi contredire ce type d'argument, c'est intéressant de les lire pour voir pourquoi ils peuvent être remis en question. Et donc là, Amsel nous parlait de color blindness, et juste je vous montre... Il y a eu cet article qui est paru chez Attack, qui est intéressant, qui revient sur un peu l'histoire de l'antiracisme et des notions de color blindness et de privilège blanc dans le contexte français. Pareil, j'ai mis le lien dans les sources. Et surtout, le plus important, je pense, et que moi je suis en train de commencer à faire, je commence à lire ce livre qui s'appelle « L'idéologie raciste », qui a été écrit par Colette Guillaumin, et dans lequel justement toute la notion de racisé émerge dans ce livre en fait. Et donc vous l'avez en PDF entièrement gratuitement sur le site Percé. Et donc je vous conseille vraiment d'aller checker ça. Vous pouvez le télécharger, le PDF, et le lire, ou bien acheter le livre si vous voulez, chez un éditeur, chez un libraire ou une libraire. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de checker ce qui se dit ici, parce que ça explique beaucoup de tous les débats qu'on a sur le racisme actuellement. Et donc Colette Guillaumin, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est une femme blanche, hein, une sociologue française,
qui a écrit sur l'idéologie raciste dans les années 70. Donc là, c'est publié en 1972. C'est à peu près quelques années après les publications de Frantz Fanon ou de James Baldwin ou d'autres penseurs hommes noirs qu'on connaît beaucoup dans le champ de l'antiracisme politique. Et on connaît moins pour l'instant. Enfin, le travail de Colette Guillaumin est en train de réémerger avec toute cette notion de racisé et tout un tas de critiques justement sur la manière française d'être colorblind, c'est-à-dire aveugle à la couleur. Donc on se prétend aveugle à la couleur, mais en réalité, il y a plein de choses dans notre société qui racisent et qui font ressortir ces questions de couleur, de peau, en lien avec l'histoire coloniale, comme toujours. Voilà. Donc là, je vous ai mis un peu les bases des trucs. Pareil, vous pourrez aller regarder dans le replay, vous pouvez regarder les sources si ça va trop vite. Mais on va continuer à lire l'article de Jean-Loup Hamsel. Alors, il va nous raconter un peu sa life. Il nous dit « Pour ma part, je ne m'étais, au cours de mon enfance et de mon adolescence, jamais posé la question de ma couleur de peau, même si je m'étais interrogé en raison du fait que j'étais juif, sur ma qualité de français à part entière ou, comme l'on dit désormais, de français de souche. Pendant longtemps, j'ai considéré que je ne faisais pas corps avec la France et que j'étais simplement titulaire d'un passeport français. Ce sentiment de porte-à-faux par rapport à la communauté nationale m'a entraîné vers d'autres cieux et notamment vers ce que l'on appelait à l'époque les « Noirs américains », entre guillemets. Donc le Black Panther Party et Malcolm X, auxquels je me suis identifié dans une sorte de, entre guillemets, « communauté de souffrance ». Je suis donc devenu un fan de jazz et par ricochet, je me suis rapidement intéressé à l'Afrique, continent d'origine de ces jazzmen états-uniens, ainsi qu'à la « négritude », entre guillemets, notion qui ne laissait pas de m'interroger. Alors là, vous voyez un petit peu la genèse de la vie de, voilà, de Jean-Loup Hamsel, et je vois déjà les premiers commentaires qui disent « négrophilie, point d'interrogation ». Alors voilà, je ne vais pas me prononcer à la place de Jean-Loup Hamsel ou sur son comportement, mais effectivement, ça peut faire très fortement penser à de la négrophilie, c'est-à-dire que il s'est associé à cette communauté de souffrance qui est peut-être une association un peu problématique, en tout cas qu'on peut problématiser aujourd'hui, et qu'il assume assez franchement dans ce texte, hein, en tout cas. Et bon, on va pas développer sur la négrophilie de Jean-Loup Hamsel, mais on va parler... Alors attendez, je lis ce que vous dites. Tac, tac. Ouais, et donc... on va pas développer sur la négrophilie de Jean-Loup Hamsel, mais par contre, on va essayer de voir qui est le Black Panther Party et Malcolm X rapidement. J'ai pas préparé le truc sur Malcolm X. Ah, j'ai oublié ça. En tout cas, sur le Black Panther Party, je vous conseille, comme introduction, alors c'est pas forcément le truc le plus précis du monde, hein, mais comme introduction, vous pouvez regarder le documentaire qui est paru sur Arte, qui s'appelle Black Panthers, les origines, et qui est intéressant. C'est donc premier épisode. Il y a un deuxième épisode qui est déjà paru, je crois, mais qui est peut-être plus disponible sur YouTube. Voilà, bon, c'est pas forcément le truc le plus exhaustif sur le Black Panther Party, mais ça permet d'avoir quelques notions importantes. Et il y a aussi un film qui est paru très récemment, qui s'appelle Judas and the Black Messiah, qui revient donc sur la vie de Fred Hampton, qui est un des personnages importants du Black Panther Party, et qui a été assassiné suite à un complot de la CIA. Alors voilà, il y a des gens qui sont dans le complotisme, mais il y a aussi des vrais complots qui existent, qui ne sont pas nécessairement du complotisme. Et là, pour le coup, c'était réellement un complot de la CIA qui a permis son assassinat. Et les archives sont en train d'être ouvertes au fur et à mesure, ce qui permet par exemple l'existence de ce film qui s'appelle Judas and the Black Messiah, que je vous conseille de checker si ça vous intéresse. C'est une fiction, mais biopic un petit peu. Donc il a été assassiné, je crois, à 21 ans. Hein. Donc c'était vraiment, la police est entrée, il a tiré plus de 80 coups de feu alors qu'il était en train de dormir avec sa copine qui était enceinte à ce moment-là et qu'ils n'étaient pas armés. Donc pour dire, c'était vraiment un massacre en règle, quoi. Il fallait qu'il meure. Mais j'ai quand même trouvé le film Judas and the Black Messiah très très problématique. J'ai pas aimé, en fait, pour tout vous dire. Mais je vous en parle quand même. J'ai vraiment pas aimé parce que ça le mettait vraiment en avant comme vraiment comme un Jésus, en fait. Enfin, comme un héros, mais sans aucune, je trouve, sans aucune distance par rapport à la complexité du personnage qui était très jeune, en fait. Et là, on dirait que c'est une sorte de génie venu de nulle part, qui n'a aucun problème et qui est trop charismatique. Et enfin, je trouve que ça allait trop loin sur le côté
glorification du personnage et pas assez dans la complexité. Donc moi, j'ai pas apprécié le film, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça se focalise aussi beaucoup sur le Judas en question, parce qu'il a été assassiné, donc dans un complot, parce que son chef de la sécurité, qu'on voit ici à l'image, était un agent de la CIA, en fait. Voilà, je lis vos commentaires. Les libertariens sont ceux les plus ultralibérales qui veulent le moins d'emprise étatique. Ah oui, là, vous parlez, faites un débat sur ça. Il y a un documentaire sur Netflix, ouais. Un documentaire sur Netflix aussi sur le Black Panther Party, qui est très intéressant. Je voulais pas faire de la pub sur Netflix, c'est pour ça que je ne l'ai pas affiché ici. Mais oui, il y en a un aussi qui s'appelle, je crois, All Power to the People, si je ne me trompe pas. Et qui est vraiment bien. Daniel Kaluuya, qui est un super acteur, ouais, de ouf. Nous aussi, on avait les Black Dragons, qui dit Petit Cam. Alors, 13 bis qui dit, il y a pas mal de traces du mouvement, je vous invite à regarder ce que vous pouvez trouver, oui. Et Initial Abby qui dit, et puis, très peu approfondi sur les véritables actions du Black Panther Party. Ouais, là, tu parles du film. Ouais, effectivement, franchement, le film Judas and the Black Messiah, moi, j'ai été déçu, mais je vous conseille quand même d'aller le voir. Parce que l'acteur est bon, et que ça vous apprend quand même des choses, parce qu'on a trop peu d'infos sur ce parti, finalement. Donc là, on est revenu sur le Black Panther Party. Alors, il y a Malcolm X, bien sûr. Et malheureusement, je n'ai pas préparé de. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de préparer des petits liens vers Malcolm X. Donc, je ne vais pas vous le présenter ici, mais je pense que je ferai une vidéo spécifique sur Malcolm X parce que c'est un personnage trop important des luttes afro-descendantes en général, dont l'histoire a été particulièrement maltraitée. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller taper Malcolm X tout de suite sur le moteur de recherche que vous utilisez. Et d'aller voir ce que vous trouvez. Il y a plein de films, de documentaires sur comment il a été assassiné, sur son parcours, sur les différentes étapes de son parcours, parce qu'il a une vie très complexe. Mais voilà. Et pour finir, je vais parler de la négritude, qui nous concerne beaucoup plus, puisque ça se passe en France, la négritude. Alors, je vous montre la petite intro d'un documentaire sur le sujet. Ah, la négritude. Lol, là, on n'a pas d'idée. La négritude. Bon, d'où est-ce que je viens? What is négritude? I've never heard of that. Je sais que ce sont des concepts forgés par Senghor, Aimé Césaire et tout ça, mais je n'ai plus la mémoire fraîche quand même. Senghor. Césaire. Bon voilà, je vous ai montré juste le tout début parce que je pense que vous êtes pas mal à être dans la même situation que ces personnes qui sont interviewées. La négritude, on a déjà entendu parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors j'ouvre la page Wikipédia de la négritude, qui est pas du tout grande, pas du tout bien renseignée, alors que c'est un courant très important hein, de notre histoire française, de l'histoire du monde et de l'histoire de l'antiracisme en fait. La négritude, donc, est un courant littéraire et politique créé durant l'entre-deux-guerres, rassemblant des écrivains francophones noirs, comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Jacques Rabenmananjara, Léon Gontran Damas, Guy Tyrolien, Birago Diop et René Despestre. Il est lié notamment à l'anticolonialisme. Le mouvement influença par la suite de nombreuses personnes proches du black nationalisme, s'étendant bien au-delà de l'ère francophone. Je vous dis ça parce que, par exemple, le Black Panther Party et tout un tas d'initiatives qui ont eu lieu aux États-Unis sont inspirées de près ou de loin par la pensée française, mais souvent de près quand même par la pensée française, que ce soit la négritude, mais aussi des penseurs philosophes blancs français comme Derrida, comme il s'appelle, Foucault et autres. Pour dire que quand on parle d'américanisation de la pensée aujourd'hui, en fait, la pensée française a vraiment voyagé vers les États-Unis et une certaine digestion de cette pensée française est en train de nous revenir en partie aujourd'hui. Ça, c'était pour vous faire un tout petit. Bon, c'est la lecture de Wikipédia sur la négritude, c'est pas du tout précis, mais voilà, ça vous fait quand même une toute petite approche. Voilà, je vous parle, il y a tous ces personnages-là, dont Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, qui sont les plus connus. René Maran aussi, qui est un personnage très intéressant, qui était à la fois le premier noir à recevoir le prix Goncourt, mais aussi parce qu'il a écrit un roman voilà, qui s'appelle Batwala, dont dans la préface il dénonçait le colonialisme. Et je pense que je vous ferai une vidéo sur ce personnage parce qu'il est trop passionnant.
Mais voilà, il dénonçait le colonialisme, mais il était lui-même administrateur colonial. Et il a défendu des gens comme Savonien de Brazza. Il a écrit un livre en la mémoire de Savonien de Brazza, qui était un des grands explorateurs coloniaux français. Voilà, il était fervent colonisateur, mais contre les excès de la colonisation. Bon, c'est un personnage intéressant. Il y a Paulette Nardal, bien sûr, avec sa sœur Jeanne. C'est Paulette et Jeanne Nardal qui ont, bah, qui sont un peu les précurseurs du mouvement de la négritude en réalité. Voilà, il y a plein de figures qui sont très importantes à aller fouiller. Et là, vous avez une petite bibliographie qui cite un certain nombre d'ouvrages qui sont importants pour la négritude. Et la négritude a commencé grâce à ce journal qui s'appelait L'étudiant noir. Donc je vous lis rapidement l'intro aussi sur Wikipédia. L'étudiant noir, sous-titré Journal mensuel de l'Association des étudiants martiniquais en France, est une revue créée par le Martiniquais Aimé Césaire en 1935 à Paris. Le Guyanais Léon Gontran Damas y a publié ses premiers poèmes pigmentaires et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor ses premiers articles. Ils étaient alors étudiants. Damas le définira ainsi. L'étudiant noir, journal corporatif et de combat, avait pour objectif la fin de la tribalisation du système clanique en vigueur au Quartier Latin. On cessait d'être étudiant martiniquais, guadeloupéen, guyanais, africain, malgache pour n'être qu'un seul et même étudiant noir. Là, vous voyez un petit peu l'idée qui était derrière ce journal, qui n'a pas duré extrêmement longtemps, hein, si je ne me trompe pas. Combien il y a eu de numéros? Je crois qu'il y en a eu trois. Je crois pas qu'il y en a eu, je crois pas qu'il y en a eu plus que trois. Hein. Il faudrait aussi que je fasse des recherches plus approfondies sur ce journal. Voilà. Mais moi, le texte qui m'a le plus touché dans toute la pensée, on va dire, de la négritude ou en lien avec les auteurs de la négritude, c'est le texte de Aimé Césaire qui s'appelle Discours sur le colonialisme et que franchement vous devez absolument lire si vous vous intéressez aux questions. De l'histoire coloniale et de la lutte antiraciste en contexte français. Parce qu'Aimé Césaire, c'est pas le plus anticolonialiste du monde, enfin, c'est-à-dire qu'il a lui-même été dans l'administration coloniale aussi, et il a eu plein d'attitudes de compromis à plein d'endroits. Mais il a écrit ce discours sur le colonialisme, dans lequel il propose une idée qui est vraiment, vraiment très importante. Alors attendez, je lis un peu vos commentaires. Ah oui, vous avez écrit plein de trucs, attendez. La négritude, c'est pas non plus ce qu'on appelle le négro spirituel aux US. Non, c'est pas ça. Les sœurs Nardal, ouais, très importantes. Ah oui, il y a des gens qui disent, Roger Soleil qui disait, regarde la version English de la page. Alors ouais, je vous conseille d'aller voir les versions anglaises. Sur ce genre de sujet antiraciste, c'est souvent bien plus précis en anglais qu'en français. La preuve qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur le Wikipédia français. Voilà, je lis un peu. Tac, tac, tac. Ah bon, il y a 13 bis qui dit qu'il n'y a pas tant de choses que ça sur la page en anglais. Mais bon, on revient à discours sur le colonialisme. Je vous lis juste un petit endroit qui me parle particulièrement, en tout cas qui m'a beaucoup aidé à réfléchir moi dans mes réflexions sur le colonialisme à la française. Bon, vous pouvez lire les premières pages, hein, c'est passionnant. Et c'est marrant de voir que on est. Donc ça a été publié. Attendez, je vous dis la date. Ça a été publié qu'en 1955. Et en fait, il y a tellement de choses qui résonnent encore avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, il explique que voilà, la colonisation a été un moyen de mettre en contact en fait différentes cultures qui existaient dans le monde, en reprenant une description assez colonialiste, hein. Bref, et il dit. Mais alors, je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact, ou si l'on préfère, de toutes les manières d'établir le contact, était-elle la meilleure? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte,
une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Alors là, vous retrouvez le mot ensauvagement qu'on utilise pas mal aujourd'hui pour décrire les populations plutôt racisées en France. Mais lui, Aimé Césaire, en 1955, il disait que c'était justement la colonisation qui contribuait à l'ensauvagement de l'Europe. Qu'est-ce qu'il entendait par ensauvagement? Il disait « Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit « Comme c'est curieux, mais bah, c'est le nazisme, ça passera. » Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité. Que c'est une barbarie. Mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir. On l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Bon, voilà, ça c'est le passage de discours sur le colonialisme qui me parle vraiment beaucoup, enfin que je trouve très intéressant et qui permet, je trouve, de décaler cette question. Quand on pense au racisme aujourd'hui en France, on le lit vraiment beaucoup à l'épisode nazi, on va dire, et à ce moment-là de l'histoire de l'Europe. Et ça nous arrange bien parce qu'on le cale sur des Allemands qui sont des ennemis un peu héréditaires, traditionnels de la France, et un régime particulièrement extrémiste qui a appliqué une politique coloniale en Europe. Mais en fait, ce que rappelle Aimé Césaire, c'est que toutes ces formes de racisme, etc., existaient bien avant le nazisme, et que le nazisme n'a fait que l'appliquer au sein de l'Europe. Et en plus, ce dont il ne parle pas là dans cette partie du texte, mais il revient par la suite, en plus, le racisme ne s'est pas arrêté suite à la défaite des nazis, puisque l'empire colonial français est resté tel quel jusqu'en 1960 environ, quoi. Donc c'est même pas comme si l'épisode nazi avait réellement changé les prises de position sur le racisme sur le moment même. Il a fallu attendre un certain moment avant que des pays pourtant qui s'étaient pourtant battus contre le racisme vraiment appliquent cette pensée au sein de leur territoire. Bref, je vous ai parlé donc d'Aimé Césaire, qui est un des grands fondateurs, enfin qui fait partie des fondateurs du courant de la négritude. Il y a aussi Léopold Sédar Senghor. Je vais pas vous montrer l'extrait, mais je vous laisse regarder cette petite vidéo où il parle de sa vision de la négritude. Vous allez voir que c'est quand même assez daté, hein. Il y a plein de choses, c'est beaucoup sur la culture, le retour à la culture africaine, etc., qui sont plein de choses qui sont dans le même temps remises en question par un intellectuel comme Frantz Fanon, et qui est remis en question par les Américains. Enfin, c'est vraiment une vision particulière du fait d'être noir. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de clashs entre les différentes personnes qui ont participé au mouvement de la négritude et aux autres mouvements qui avaient lieu à ce moment-là. Et pour bien le comprendre, je vous conseille ce documentaire qui s'appelle Lumière Noire, qui est paru en 2006. Là, vous avez la photo de la première, alors attendez, du premier congrès des écrivains artistes noirs qui a eu lieu à Paris, hein, en France. Donc là, vous avez des Américains, des sujets de l'Empire colonial français. Vous avez une femme qui est là,
et je crois que c'est la seule, mais vous avez vraiment toutes les personnes qui ont participé à cette époque de construction de l'antiracisme, en fait, sur tous les territoires anciennement colonisés ou colonisés qui touchaient à la question noire. Et en fait, ils se sont vraiment embrouillés. Et ça, c'est vraiment passionnant à voir. Donc, je vous conseille de checker ce documentaire. Vous allez voir toutes les controverses qui avaient lieu déjà à cette époque. Ah, mais en fait, j'ai pas vu tous vos commentaires parce que ça continuait pas à défiler. Pour info, si certains veulent acheter Discours sur le colonialisme, à choisir, prenez-le plutôt chez Présence Africaine. C'est un super éditeur qui mérite tous les soutiens possibles. C'est Eba Didon qui dit ça. Ouais, t'as totalement raison, Eba Didon. Privilégier Présence Africaine, c'est vraiment bah, ceux qui éditent depuis tellement longtemps, tellement de textes importants. Touk touk touk. C'est comme s'il arrivait à déplacer le point Godwin vers un argument anticolonialiste, dit Shibadolov. Twisted Punk qui dit, je sais pas si c'est vraiment juste, les Juifs n'étaient pas considérés comme blancs. Oui, effectivement, en fait, là, ce dont parle Aimé Césaire, c'est pas sur le génocide des Juifs spécifiquement, mais c'est parce qu'en fait, le temps que l'Europe comprenne qu'il y avait réellement un génocide à grande ampleur des Juifs, elle était déjà opposée au nazisme, en fait. Il y avait déjà tout un mouvement qui essayait de convaincre les colonies, par exemple, d'aider la patrie, la mère patrie, à se défendre contre l'envahisseur nazi, contre voilà, ce déni de liberté, etc. Donc, en fait, il y avait déjà toute une réflexion contre l'idéologie nazie qui était vue comme en fait colonialiste à l'intérieur de l'Europe. Et c'est sur ce point-là que Aimé Césaire nous dit le procédé est le même en fait, le procédé colonial et le procédé nazi est le même. Après, bien sûr, sur la question de l'extermination des Juifs, c'est autre chose. Là, je suis totalement d'accord. Même si ces types de comment on va dire ça d'extermination avaient déjà été mis en place pendant la période coloniale, notamment contre les Herero, je crois. Donc l'armée allemande, l'armée coloniale allemande avait déjà fait des tests d'extermination de populations colonisées avant de mettre en place toute l'architecture pour le génocide, enfin pour la Shoah. Voilà. Donc il y a un lien dans tous les cas avec l'histoire coloniale. Je pense que des militants juifs ne seraient vraiment pas d'accord avec ça. Bah ça, c'est une bonne question à poser. Alors je sais que. Enfin, je crois vraiment pas que c'est sur la question juive hein, qu'il fait le parallèle. Comme je dis, c'est sur la question de la colonisation interne. C'est pas sur la question du génocide. Et après, si tu regardes différents groupes politiques juifs, notamment par exemple l'Union juive pour la paix, se revendiquent beaucoup des idées de Césaire et utilisent le texte. Discours sur le colonialisme, mais après, effectivement, il y a des militants juifs qui, je pense, sont pas du tout d'accord avec ce texte. Et je vous laisse vous faire votre propre idée. En tout cas, c'est un texte très important sur les questions d'histoire coloniale. On retourne à Jean-Louis Hamsel et on va arrêter de faire des digressions, parce qu'on en a fait beaucoup. On va lire ce qu'il nous dit sur la condition toubab. Alors. Rappelez également que Bugeaud est celui qui a inventé les chambres à gaz en Algérie. Je ne sais pas s'il les a inventées, Bugeaud, mais en tout cas, il a beaucoup appliqué ce qu'on appelle l'enfumade. Mais il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant et après lui. C'est juste que Bugeaud, ça a fait un buzz à son époque. Il y a eu une polémique autour de l'usage de cette technique, donc qui consiste à enfermer des gens dans des grottes, à les enfumer jusqu'à ce que ces personnes meurent. Donc pour la conquête de l'Algérie, Bugeaud a beaucoup utilisé cette méthode et ça avait choqué l'opinion publique française à l'époque. Mais on reviendra peut-être sur cette histoire parce que Bugeaud a une statue, enfin a une petite statue au niveau du Louvre à Paris et j'espère faire une vidéo autour du personnage de Bugeaud et de cette statue. On continue à lire, donc on est sur la condition toubab écrite par Jean-Louis Hamsel. Il nous raconte toujours sa life. Il nous dit, m'étant engagé dans des études d'anthropologie, et ayant choisi le Mali comme terrain d'enquête, je suis arrivé à Bamako en 1967 en tant que volontaire du service national, comme on disait à l'époque, et j'ai été affecté à l'Institut des sciences humaines. Je me suis alors rendu rapidement dans le Oisolon, région méridionale du pays, que j'avais entrepris d'étudier. Et là, j'ai expérimenté pour la première fois la condition toubab, entre guillemets. En effet, à chaque fois que j'arrivais dans un village, des groupes d'enfants m'accueillaient au cri de Toubabou, Toubabou, Toubabou. Il ne s'agissait pas de leur part d'une quelconque hostilité, mais plutôt d'une joyeuse surprise de voir arriver un exemplaire étrange d'un groupe humain qu'ils avaient rarement l'occasion d'observer. En effet, à cette époque, peu d'Européens résidaient au Mali, et encore plus rares étant ceux qui se rendaient dans cette région reculée.
Alors, juste pour vous faire un tout petit point, une nouvelle digression, désolé, mais il faut la faire. Alors, attendez, Lily Cross Stitch qui dit: Oh, je savais pas que tu étais sur Twitch. Eh ben, bienvenue à toi, Lily Cross Stitch. Donc, m'étant engagé. Donc voilà, pour, il faut que je fasse une dernière digression quand même, pour vous parler d'un truc. C'est qu'il faut revenir un tout petit peu sur l'histoire du Mali. Donc, l'histoire du Mali, puisque le Mali est une ancienne colonie française. Qui s'appelait, donc c'est ce territoire, le Mali. Hein. Aujourd'hui, la France est encore, il y a une armée d'occupation, enfin, en tout cas, il y a une présence française militaire au Mali, qu'on appelle la Force Barkhane, qui est actuellement dans la lutte antiterroriste. En tout cas, c'est le mandat qu'elle se présente pour former les États du Sahel à lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel. J'ai déjà fait des vidéos où j'en parle un petit peu. Mais donc, le Mali a été le berceau de trois grands empires, l'empire du Ghana, qui était là. Donc pour vous rappeler bien qu'il y a une histoire précoloniale en Afrique, l'Afrique n'existe pas, enfin ne commence pas à exister à partir du moment où il y a les invasions, il y avait des empires, il y avait des choses, des royaumes, etc. Il y a eu l'Empire du Mali, qui était un très grand empire, et l'Empire Songhai, qui était aussi un assez grand empire. Donc le Mali, c'est une zone où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées culturellement et en termes de royaumes. Il est par la suite une colonie française. Ça, c'est l'Empire colonial français dans son ensemble. Hein. Second Empire colonial en bleu foncé, premier Empire colonial en bleu clair. Donc, il a été une colonie française entre 1895 et 1960. Donc, ça fait moins de 100 ans hein, qu'il est un pays indépendant. Quelques années après son indépendance, il a subi la dictature de Moussa Traoré. Ah, il n'y a pas son image, il n'y a pas sa tête. Bon, je vous laisse vous renseigner sur Moussa Traoré. Avant de connaître un régime démocratique depuis le début des années 90. Mais tout ça pour vous dire, donc vous pouvez checker l'histoire du Mali, mais c'est important à savoir parce que Jean-Louis Hamsel nous parle de sa venue en 1967 à Bamako, et il faut savoir que en 67, bah du coup c'est 7 ans après l'indépendance du Mali, donc c'était très très frais la fin de la colonisation. Et juste pour vous dire comment ça s'est passé la fin de la colonisation, en fait, à l'époque coloniale, le Mali s'appelait pas Mali, il s'appelait le Soudan français. Voilà, c'était le Soudan français. C'était ce territoire-là. Donc c'est par exemple Joseph Gallieni hein, qui a conquis le Soudan français. Il y a aussi Féderbe qui est très impliqué dans la conquête du Soudan français. Plein de personnes dont vous avez des statues aujourd'hui en France ou des rues qui ont conquis ce territoire. Et donc, en fait, au moment de la décolonisation, le Soudan français... Bon, y a la décolonisation en Afrique de l'Ouest, ça s'est passé en plusieurs étapes, parce que ça c'est pas tout de suite devenu indépendant. Il y a des pays qui sont passés sous le format de, comme aujourd'hui on a les Dom-Tom, qui sont passés au format Outre-mer avant de devenir indépendants. Et dans, dans ces changements un peu de bail, il y a le Soudan français qui s'est associé avec le Sénégal, qui est juste ici, à côté, pour former ce qu'on appelle, donc je vous lis pas tout le truc, mais pour former la Fédération du Mali. Alors je sais pas si je vais voir... En gros, c'était au sein de l'Union française. Je ferai sûrement une vidéo sur l'Union française, mais c'est l'espèce d'arnaque qui a essayé de faire semblant de décoloniser, mais sans vraiment le faire. Ça a duré quelques années, ça s'est effondré assez vite. Mais c'est un truc dont on parle, dont vous entendrez quasiment jamais parler pour l'instant, parce que personne ne revient sur cette histoire. Bref, en tout cas, voilà, ils se sont associés au sein de la Fédération du Mali. Ça a duré aussi très peu de temps. Ils se sont vite rendu compte que ça ne fonctionnerait pas et qu'il fallait devenir réellement indépendant de la France. Enfin... En tout cas, avoir un siège à l'ONU, etc. Et du coup, ils ont fini par réellement déclarer leur indépendance. Donc le Sénégal d'un côté, avec Léopold Sédar Senghor, qui est donc un des acteurs de la négritude. Et de l'autre côté, le Mali, qui était le Soudan français, qui est donc devenu le Mali. Ça, c'est juste pour vous dire la complexité un peu de cette histoire. Je vous conseille de checker. Et donc, suite à l'indépendance du Mali, qui a eu lieu dans les années 60, ben, c'est devenu un précaré français, dans lequel ben, la question de la guerre froide était très importante. Donc je vous laisse lire cet article de Manon Touron, paru dans le bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, que je ne connais pas pour le coup, mais qui est un article intéressant et qui revient sur toute cette période 60-68. Et donc c'est cette période justement où arrive Jean-Louis Hamsel à Bamako. Voilà, j'espère que c'était pas trop long comme digression, mais je crois que c'était important. Sundiata Keïta, ouais, il y a Sundiata Keïta, je reviens pas dessus ici, mais on reviendra sûrement sur le personnage plus tard. Alors, donc, lui, il est arrivé donc au Mali en 67, et là, il se rend compte qu'il est Toubab. Les enfants l'appellent Toubabou, mais sans hostilité. Il dit « J'étais donc enfermé dans une
J'étais donc enfermé dans une étiquette globale, celle de tout babou. Et par là, je perdais mon identité individuelle en tant que personne singulière. Ça c'est relou un peu, quoi. Qu'en est-il de la catégorie de Toubab ou Toubabou en Bambara ? Alors le Bambara, c'est une des langues parlées en Afrique de l'Ouest, qui correspond au peuple Bambara, si je peux parler en ces termes-là, même si c'est compliqué, il y a plein de gens qui parlent le Bambara qui ne sont pas forcément du peuple Bambara, bref. Qu'en est-il de cette catégorie Toubab dont j'étais affublé à mon corps défendant et dont l'étymologie a fait couler beaucoup d'encre ? Maurice de la Fosse, entre 70 et 1926, l'ethnologue administrateur colonial qui a arpenté l'Afrique de l'Ouest, s'est efforcé d'en donner, sans en porter totalement la conviction, un sens originaire. Mais quoi qu'il soit, ce terme, malgré sa proximité orthographique, n'a rien à voir avec celui de « toubib », terme d'origine arabe et qui désignait autrefois chez nous, selon une tournure argotique ou familière, le « médecin ». Ah ouais. Enfin, c'est vraiment au tout début de l'article que je dois faire plein de digressions, mais il faut que je la fasse encore une fois. Maurice de la Fosse, très important. Alors d'abord, je vous ai laissé vous verrez l'étymologie de Toubab. Bon, je vais la lire quand même. Toubab en malinké, Toubabou, ou encore en Wolof, Toubap, est un terme utilisé en Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée, au Mali, au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie, mais aussi en Côte d'Ivoire, pour désigner toute personne à peau blanche, à l'exclusion des arabo-berbères, quelle que soit sa nationalité. Il fait donc généralement référence à des Européens. Par extension, il peut aussi désigner des étrangers en général, ou des Africains, ayant adopté un mode de vie à l'occidental, voire dans certains cas plus spécifiques, les habitants de Saint-Louis, du point de vue des Sénégalais de l'intérieur du pays. Je reviens pas sur l'histoire de Saint-Louis, mais c'est une des premières colonies françaises en Afrique, et du coup ça fait tellement de siècles, ça fait plus de 4 siècles que Saint-Louis a été une colonie française, que les habitants de Saint-Louis du Sénégal parfois sont considérés comme des Français ou donc comme des Toubabs, même s'ils sont noirs, par le reste des Sénégalais, même si maintenant Saint-Louis fait partie du Sénégal et est indépendant. Voilà, et juste pour revenir sur les Bambara, je vous laisse aussi checker, mais c'est très très intéressant de vous renseigner sur, ils l'ont appelé la langue Bambara et les peuples qui parlent la langue Bambara. Bon, je vais pas creuser ici. Ouais, Shibado Love qui dit c'est un phénomène d'essentialisation. Oui, effectivement, c'est un phénomène d'essentialisation, le terme Toubab. Mais il va y revenir justement. Et avant de revenir sur le terme Toubab, et là vous voyez que je suis presque à la fin de mes liens, donc vous voyez, tous les liens sont concentrés au début. Ensuite, on va vraiment analyser ce qu'il nous dit. Il a parlé de Maurice de la Fosse, et c'est trop important, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est très important dans la pensée de Jean-Loup Hamsel, c'est Maurice de la Fosse. Il a écrit des livres, il a fait des colloques sur Maurice de la Fosse, il a fait plein de choses autour de Maurice de la Fosse, parce que Maurice de la Fosse est donc un ethnologue administrateur, et c'est un des penseurs, un des concepteurs de l'ethnologie à la française en Afrique de l'Ouest, donc dans les colonies françaises. Et donc Maurice de la Fosse, c'est ce monsieur-là, voilà, entre 70 et 1926, qui est né dans le Cher, à Sansergue, et qui est mort donc en 26, voilà. C'est un ethnologue, un africaniste, un linguiste, et un enseignant, essayiste prolifique. Donc il a écrit plein de textes. Bon, je vous lis pas toute sa bio, mais vous pourrez la lire. C'est un militaire, hein, bien sûr. En tout cas, il a écrit des trucs du genre manuel dahoméen, grammaire, chrestomathie, dictionnaire français dahoméen, donc vous voyez qu'il s'intéresse vraiment aux langues africaines et à la manière de les traduire, de faire le lien entre les langues africaines et le français. Essai sur le peuple et la langue Sara, essai de manuel de la langue Ani, manuel de langue Haoussa, donc le mec s'est donné vraiment. Après il le fait à sa sauce, hein, donc c'est quand même un colon, on va pas se mentir, il n'est pas non plus, c'est pas monsieur objectivité. Hein. Essai de manuel pratique de la langue Mandé ou Mandingue. Voilà, il a fait vraiment plein de textes comme ça, et il est très lié à la naissance... Alors attendez, d'abord je vous montre ce qu'il a écrit, parce que vous trouverez ses ouvrages gratuitement disponibles sur Gallica. Par exemple, il a écrit « L'âme nègre », voilà, ça vous donne une petite idée de... Voilà, des ouvrages qui... Donc lui, Maurice de la Fosse, ancien gouverneur des colonies, professeur à l'école coloniale et à l'école des langues orientales, puisqu'effectivement il existait... À l'époque, une école coloniale, un peu comme vous avez aujourd'hui Sciences Po, etc. Il y avait aussi l'école coloniale qui formait
les coloniaux de demain, quoi, et l'administration coloniale aussi qui allait ensuite civiliser l'ensemble de l'Empire. Et donc lui, en tant que prof dans cette école, il écrivait des livres comme L'âme nègre et autres. Je vous laisse checker ça. Hein. Il a écrit aussi, par exemple, un ouvrage comme Les Noirs de l'Afrique. Voilà. Pareil, je vous laisse checker. Mais c'est juste pour vous donner une idée un peu de... Ben, en fait, comme je disais dans certaines vidéos, on ne naît pas colon, on le devient. Et il y avait des gens comme Maurice Delafosse pour être prof dans l'école coloniale. Et donc les gens qui suivaient son enseignement, et les ethnologues, etc., donc c'est un des premiers ethnologues à la française, ben, partent de ses travaux, partent de sa conception du monde, et forcément, ça crée des biais assez forts, quoi. Et faut en être conscient. Il a écrit par exemple « Les Libériens et les Baoulés »,« Nègres dits civilisés et nègres dits sauvages », où là il essaie de revenir sur ces termes, mais il a aussi écrit « État d'âme d'un colonial ». Et donc ça, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai grave envie de le lire, donc je pense que je vais le faire très prochainement pour lire quels étaient ses états d'âme, en fait. Maurice Delafosse est très important parce qu'il a contribué grandement à l'existence du petit nègre, qui était donc une langue inventée par des administrateurs coloniaux français pour s'assurer que l'ensemble des tirailleurs sénégalais qui venaient de pays différents dans l'Empire colonial français puissent parler une même langue pour être efficaces lors des combats. Donc Maurice Delafosse et son travail ont été très importants pour synthétiser le petit nègre et pour l'apprendre ensuite aux tirailleurs sénégalais. Et donc quand vous entendez des blagues autour du petit nègre, dites-vous bien que c'est pas que les gens parlaient mal français, c'est qu'on leur a appris un français très très dépouillé qui était censé correspondre à la manière dont ils parlaient de base. Donc, c'est-à-dire que Maurice Delafosse s'est inspiré de ce qu'il avait repéré dans les grammaires des différentes langues africaines et il a essayé de le transposer au français pour faire cette espèce de langue qui est aujourd'hui un sujet de moquerie. Alors, je regarde ce que vous dites, mais attends, il entend quoi par Dahoméen du coup? Alors Dahoméen, je crois qu'à l'époque c'était les Béninois. Aujourd'hui on les appelle Béninois, donc c'était le Bénin, le Dahomé. Je crois que c'était ça le nom de la colonie du Dahomé, quand c'est devenu indépendant, c'était le Bénin. Ça me fait penser à Franz Fanon. Je découvre la chaîne. Wow, ton travail est fascinant. Merci, Brocoli Malin. Bienvenue. Bienvenue, tout le monde, parce que vous êtes grave nombreux. Ça fait super plaisir. Merci d'être là. On continue la lecture. Le royaume de Béanzin. Ouais, c'est ça. Dahomé, le royaume de Béanzin. Le personnage de Béanzin est très, très, très problématique aussi. Hein. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo un jour. Mais. Celles et ceux qui ne connaissent pas, il y a le trône de Béanzin qui est au musée du Quai Branly à Paris, qui est le trône donc, du dernier grand roi dahoméen, en fait, qui a été donc volé suite à la mise à sac de la capitale dahoméenne. Mais le personnage de Béanzin est à la fois une figure de résistance, mais en même temps un personnage très problématique parce qu'il était esclavagiste, finalement. Et donc c'est un personnage intéressant à creuser, et je vais peut-être le faire dans une prochaine vidéo. Surtout sur les... Enfin, il y a des articles, bref, je ne vais pas développer ici, mais il y a plein de choses à dire sur lui. Ah oui, le dahoméen comme langue. Ah, je ne sais pas ce qu'il entendait à ce moment-là. N'oubliez pas les commandes. Ouais, tché, ça va attendre malheureusement, restitution. Alors, et sur la restitution, je vous conseille donc comment on appelle ça ? Il y a eu un rapport, voilà, le rapport de Félouin Sarr et Bénédicte Savoie sur la restitution des objets d'art africains, qui est un rapport très intéressant. Voilà. Il y a une petite digression que je vais devoir faire, mais après on va vraiment lire Amsel. Le terme Toubabou, donc là on lit Jean-Loup Amsel, hein, il nous dit le terme Toubabou ne se réfère pas aux étrangers blancs dans leur ensemble, mais uniquement aux étrangers blancs européens. Les Arabes et les Maures sont désignés par le terme Souraka, de l'arabe sour qui signifie Syrie, alors que les Libanais sont nommés pour leur part Sourakanin. Désolé, je le prononce très mal, hein, je ne sais pas si ça se prononce Sourakanin ou Sourakanin. Donc ils sont appelés petits Maures ou petits Arabes. Ce terme revêt même une acception culturelle puisque les Africains européanisés se voient affublés du terme dépréciatif Farafin Toubabou,
littéralement Toubabou à la peau noire. Donc, pour bien dire que dans l'étymologie, le mot Toubabou, il peut s'appliquer aussi à des noirs. Par exemple, si moi je vais je pense au Mali, on me définira comme un farafin Toubabou, puisque clairement je n'ai rien de malien et je suis vraiment occidentalisé, même si je suis noir. Ça, c'est un truc aussi très important à noter, c'est que il y a beaucoup de gens parfois, quand on croise des personnes ouvertement qui assument des actes et des paroles racistes, qui vont nous dire retourne dans ton pays, etc. Mais en fait, moi, mon pays, c'est la France, dans la mesure où j'ai grandi et que j'ai été éduqué et que ma pensée est vraiment matrixée par l'imaginaire français, par le fait de vivre en France, en fait. Et du coup, si j'allais dans un pays, peu importe mon pays, entre guillemets, je serais sûrement vu comme un farafin Toubabou, puisque je porte avec moi toute cette culture finalement occidentale, même si c'est pas forcément du point de vue le plus dominant de l'occidental, ça reste quand même une culture occidentale. Bref. Gabriel qui dit Kimi Seba, lève de chat quand t'as dit mon pays c'est la France, MDR. Oui, en fait, t'as raison, mais c'est que tout simplement, je dis ça dans le sens où mon passeport est français. Donc je trouve que ce serait malhonnête de dire que mon pays n'est pas la France, puisque je bénéficie des privilèges qu'apporte le passeport français. Je pense que, en tout cas dans ma politisation, pour l'instant j'en suis là. Peut-être que ça viendra à évoluer, hein, mais voilà. Donc, Jean-Louis Hamsel dit « J'étais donc enfermé dans une étiquette globale, celle de Toubabou. Et par là, je perdais mon identité individuelle, en tant que personne singulière dotée d'un prénom et d'un nom de famille. Je me voyais ainsi renvoyé à un groupe dont précisément j'entendais me distinguer, puisque je m'identifiais fortement à l'Afrique, au Mali et à leurs habitants. Victime de la condition juive, je m'étais réfugié dans la condition noire, et je me trouvais finalement rejeté dans la condition Toubab. » Alors ça, on l'a vu au tout début, hein, donc Jean-Louis Hamsel est juif, il s'était identifié à la souffrance noire, et arrivé en Afrique, on lui dit « tu es un Toubab ». Donc, on reconnaît ni son attachement à la condition noire, ni le fait qu'il est juif. La profération de ce terme « Toubabou » par ses enfants ne témoignait en aucun cas d'un quelconque racisme anti-blanc, qui aurait été l'exact symétrique d'un racisme anti-noir. Je ne faisais bien entendu l'objet d'aucune discrimination, puisque j'étais dans la position dominante d'un anthropologue en mission officielle, débarquant dans leur village pour observer les pratiques de leur famille. Ils étaient donc dans une position de dominer, et exprimaient ce sentiment de domination en adoptant une posture englobante liée à leur incapacité d'accéder à l'individualité de cet étranger blanc européen. Si jamais il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le dire non plus. Ne pas être pris pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on représente, est toujours désagréable. Mais il faut replacer cette expérience dans le cadre de la situation. En l'occurrence, la situation est post-coloniale, qui était donc celle de la situation qui était celle de sa venue dans cette région en tant qu'anthropologue. Bien que n'ayant rien à voir ni de loin ni de près avec la période coloniale, qui n'était finalement pas si éloigné, puisque l'indépendance du Mali était survenue seulement quelques années auparavant, j'étais perçu, en raison des enquêtes que je menais sur les différents lignages de cette région, comme l'instrument du rétablissement de la chefferie de canton, autrefois courroie de transmission de l'administration coloniale. Ça, c'est important que je fasse une dernière digression sur ce qu'il vient de dire ici. Il dit que, il n'avait rien à voir avec la colonisation parce qu'il ne l'a pas menée, etc. Mais en final, il vient de la France, qui était quand même l'ancienne puissance coloniale, qui vient de partir il n'y a même pas 7 ans, puisqu'on est dans 67 et l'indépendance du Mali a eu lieu en 60. Et donc, il est perçu comme l'instrument du rétablissement de la chefferie de canton. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi il parle quand il dit la chefferie de canton? Alors, je lis un peu. Une dernière avant la prochaine. Non, normalement, c'est bon. La prochaine, c'est tout à la fin de l'article. Alors, je vous ouvre juste un truc, la chefferie. Une chefferie est une entité politique et administrative représentant des communautés territoriales sur un territoire limité à base régionale, soumis à la domination d'un chef dont l'autorité ne repose plus uniquement sur la parenté, à la différence du clan, mais également sur le prestige, le sacré et une certaine coercition limitée. Le terme chefferie peut avoir deux autres significations. Et donc, nous, c'est cette autre signification qui nous intéresse. En fait, chefferie, c'est une appellation d'origine coloniale
qui désigne les institutions sociopolitiques typiques. Donc la chefferie apparaît comme une forme intermédiaire entre les sociétés lignagères et les royaumes. Au sens premier du terme, donc la définition 2, on entend par chefferie la résidence du chef du village. C'est là que vit le chef entouré de ses nombreuses femmes et serviteurs. Brr. En Afrique subsaharienne, les chefferies étaient des micro-états avant la colonisation. Le chef appartenait généralement à la noblesse locale. Alors, on a vu que c'est cette définition-là qui nous intéresse. Et je vous montre juste un article qui est publié par Mahamam Tijani Alou, qui s'appelle « La chefferie et ses transformations de la chefferie coloniale à la chefferie post-coloniale ». Et là, il fallait que je vous lise... qu'est-ce qu'il fallait que je vous lise? Voilà, c'était à la page 3. Touk, 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 voilà. « La chefferie, une construction coloniale ». La représentation ordinaire de la chefferie renvoie a priori à l'univers des institutions politiques africaines précoloniales. Pourtant, une reconstitution de son histoire permet de l'ancrer résolument dans la dynamique actuelle de l'État au Niger, par exemple, telle qu'elle s'est enclenchée au début de ce siècle avec le processus colonial. L'institution chefferiale, dans sa configuration actuelle, doit beaucoup à l'administration coloniale, qui lui a donné ses contours sémantiques et institutionnels. Donc lui, il parle spécifiquement du Niger, mais en fait, tous les endroits qui ont été colonisés par la France ont vu l'apparition de chefferies qui permettaient de faire le lien entre les populations colonisées et les administrations coloniales françaises. Donc, c'est en 1917, la célèbre circulaire Van Vollenhoven qui introduit la notion de chef indigène. Le texte parle parfois de chefferie pour nommer la charge ou la fonction du chef. Mais la notion de chefferie traditionnelle n'apparaîtra que bien plus tard au fil d'un long cheminement. La notion de chef indigène, utilisée par la circulaire de 1917, sera consacrée, puisqu'on la retrouve au Niger même, dans une circulaire du lieutenant-gouverneur Jor de 1922, relative à la rémunération des chefs indigènes. Politique indigène, chef indigène sont, tout au long des 20 premières années de la colonisation, des notions admises dans le langage administratif pour qualifier les pouvoirs politiques préexistants. Bref. Et je voulais lire ensuite ce qu'il disait. Touk, 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 voilà. En gros, je vous laisse lire ça par vous-même parce que je ne vais pas développer tout ça sur ce live, mais il explique comment l'institutionnalisation de la chefferie, au Niger notamment, mais dans le reste des colonies aussi, a été faite pendant la période coloniale. Mais le cheminement de cette institutionnalisation a été long, controversé et traversé de débats récurrents sur l'opportunité de la maintenir. Donc là, je vous laisse vraiment lire, mais c'est tout ça pour vous dire que les chefferies, il faut pas vous... Enfin, en gros, l'administration coloniale, quand elle est arrivée dans les différents pays africains, elle a mis en place des chefs locaux qui parfois n'avaient pas forcément de légitimité réelle au sein des populations colonisées, mais elle s'est appuyée sur leur pouvoir ou elle leur a donné le pouvoir histoire de légitimer sa propre présence, et donc il y avait une collaboration très forte entre les chefferies et les administrations coloniales. Mais pour la comprendre, cette collaboration, il faut comprendre comment les chefferies ont été mises en avant par l'administration coloniale. Parce que parfois, il y avait d'autres systèmes, genre des rois, enfin des familles nobles, ou bien des organisations qui fonctionnaient plus, je ne vais pas dire démocratiquement, mais avec d'autres modes que le mode de la chefferie. Et la chefferie a été vraiment mise en place dans tout un tas de territoires. Et ça revient à l'idée de chef traditionnel. Et donc, ça correspond aussi, enfin, ça fusionne aussi avec le fait que l'administration coloniale, pour dominer les populations colonisées, notamment en Afrique, a eu recours à l'exotisation, c'est-à-dire à dire, ben voilà, ça c'est la tradition, c'est votre tradition, et à se servir de cette tradition pour légitimer son propre pouvoir, en fait, d'administration coloniale. Tout ça, c'est ce sur quoi revient aussi beaucoup Frantz Fanon dans ses textes, et vous avez plein de critiques des chefferies, mais c'est des trucs très 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 complexes, et il y a plein d'embrouilles, parfois il y a des chefs qui se rebellent contre l'armée française, et on va dire, c'est des anticoloniaux, mais en fait non, c'est juste qu'ils en avaient marre d'avoir des ordres de cette administration, ils en voulaient de l'administration belge, ou j'en sais rien, enfin, c'est un truc très très compliqué. Alors je regarde ce que vous dites, Manzel Wiwi qui dit, c'est intéressant, Ruben Niobe raconte des choses similaires sur la chefferie dans son bouquin, Le problème du nationalisme camerounais. Ah bah super, je connais pas
Ruben Omniobe, je le connais, enfin je connais le personnage, c'est un personnage très important des luttes anticoloniales camerounaises, mais je connaissais pas ce livre, donc je vais aller checker. Merci beaucoup. Donc là, c'est bon, on a fini avec les digressions. Que nous dit Jean-Louis Hamsel? Donc il nous dit que voilà, il avait rien à voir avec, avec la période coloniale, mais que pourtant, on le percevait peut-être comme l'instrument du rétablissement de la chefferie de canton, qui était donc la courroie de transmission de l'administration coloniale. Et il dit, il est d'ailleurs difficile de dire si l'intention qui m'était prêtée était perçue négativement ou positivement, mais, quoi qu'il en soit, ma présence s'inscrivait pleinement dans le cadre d'un rapport de pouvoir instauré par les différentes autorités. Alors là, je ne connais pas le mot, donc je ne vais pas le dire. Qui s'était succédé dans cette région. De sorte qu'il était difficile pour ses habitants de dissocier mes activités d'ordre anthropologique des multiples contraintes étatiques que subissaient les paysans, que celles-ci concernent le paiement de l'impôt, les investissements humains ou la réquisition des récoltes. C'est-à-dire que même si lui, il était juste un anthropologue, bah, le fait qu'il soit blanc faisait que les gens l'associaient forcément à un représentant du pouvoir colonial ou néocolonial, on va dire, puisque c'était après la période coloniale. Mais en tout cas, il y avait cet imaginaire qu'il avait un pouvoir politique en tant que blanc et qu'il avait une responsabilité politique sur leur sort. Après, il dit « Les racisés ne demandent qu'une chose, d'être traités comme des atomes républicains. » Donc il dit « La condition toubab, telle que je l'ai expérimentée à l'époque, signale donc, en creux, la perte de privilèges que subit l'étranger européen blanc lorsqu'il n'est plus en situation majoritaire. Situation assez rare en France, où certains peuvent néanmoins se faire occasionnellement traiter de toubab ou en verlan babtou. » Oh, il est chaud Jean-Louis Hamsel, il connaît le verlan et tout, ça plaisante. Hop. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que la condition toubab, c'est justement le moment où on perd son privilège blanc. C'est le moment où on se rend compte qu'on avait un privilège blanc et que là, il est attaqué quelque part. Enfin, on le perd pas totalement, hein. C'est juste qu'en tout cas, on peut le voir parce qu'il est effrité, on va dire ça comme ça. L'invisibilité du blanc est donc liée à une position majoritaire, dominante, dans le cadre de laquelle peut s'exprimer une posture universaliste énoncée indépendamment des conditions d'énonciation et faisant ainsi l'objet de la vindicte postcoloniale. Donc là, ce qu'il dit, alors j'essaie de résumer ça bien. En gros, il dit que le fait d'avoir ce privilège blanc, c'est-à-dire de ne pas s'identifier comme blanc, puisqu'on n'a pas besoin de le faire, puisqu'on est majoritaire, donc personne ne nous le fait forcément remarquer. Et donc ça, quand on n'a pas ce problème, donc on a ce privilège-là, eh bien on peut dire qu'on est universaliste, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte, en fait, qu'on est, en fait, blanc. C'est ça qu'il essaie de dire. Et donc, le fait de pouvoir se prétendre universaliste sans se rendre compte qu'en fait, on est blanc et que du coup, on parle d'une situation, c'est ça qui déclenche le fait que les post-coloniaux s'énervent et donc ces conditions d'énonciation qui font l'objet, comme il dit ici, de la vindicte post-coloniale. Alors Jean-Louis Hamsel, là, quand il dit ça, il est à la fois énervé contre les universalistes qui prétendent ne pas voir les couleurs et il leur dit c'est à cause de vous, quand vous dites ça, que les post-coloniaux peuvent parler. Et sachant que Jean-Louis Hamsel est aussi contre les post-coloniaux et qu'il n'a pas envie de leur donner du grain à moudre. Et du coup, il est en mode arrêtez de faire semblant que vous ne voyez pas les couleurs parce que ça leur donne du grain à moudre. Donc vous voyez que dans cette phrase, il est un peu contre les deux. Il n'est pas vraiment dans un camp ou un autre. Ah ouais, 13 bis qui dit « Mon Dieu, je viens de penser au quiz ». Ouais, il y aura un quiz, mais ça va, il sera pas trop trop dur. Alors, en effet, la preuve par l'inverse est donnée par les Noirs et les Arabes qui, lorsqu'ils sont désignés, insultés ou maltraités en tant que tels, perdent toute individualité. Le contrôle au faciès, le refoulement à l'entrée d'une boîte de nuit ou à l'embauche, ne porte pas sur une infraction présumée ou sur la teneur d'un curriculum vitae, mais bel et bien sur la couleur de la peau ou sur la nature d'un prénom. Donc là, il rappelle que, contrairement aux Blancs en situation majoritaire en France, bah, les Noirs et les Arabes peuvent subir justement cette condition toubab dans le sens où être désigné, insulté ou maltraité, parce que il et elle représentent noir et arabe. Donc là, il le rappelle tout simplement. L'identité, donc il continue, il dit « L'identité d'un individu quelconque est donc renvoyée à sa race, et à ce titre, il est déresponsabilisé en tant que tel.
son comportement devenant purement et simplement indexé à un groupe. Et c'est bien ce processus de racisation auquel se réfèrent les post-coloniaux, puisque le « racisé », entre guillemets, n'existant plus par lui-même, mais devenant simplement le représentant ou le porte-drapeau d'une, entre guillemets, « communauté », la partie valant le tout. Donc ce qu'il dit, c'est que là, ce phénomène-là, le fait qu'il existe de la discrimination ou des attitudes différentes en fonction du fait que vous soyez noir ou arabe en France, par exemple, c'est ça qui fait que les post-coloniaux ou les décoloniaux utilisent le terme « racisé » pour rappeler qu'en fait, trop souvent, ben, ils deviennent simplement des représentants ou porte-drapeaux de communautés et on leur retire leur identité d'individu. Alors que, en fait, ils et elles aimeraient avoir tout simplement, être entre guillemets, justement pas vu, quoi, quand on soit réellement colorblind. Donc, l'exclusion dont fait l'objet le porte-drapeau d'un groupe peut certes être retournée sous la forme de la revendication de réunions non mixtes, entre guillemets, qui provoque à leur tour l'ire des républicains universalistes. Mais ce qui est pointé par les partisans de ces réunions non mixtes, c'est précisément la non-mixité qui prévaut dans la société française. Et donc ces personnes qui participent aux réunions non mixtes disent, entre guillemets, « Traitez-nous comme des individus à part entière et nous cesserons de nous revendiquer en tant que groupe spécifique », semble-t-il nous dire. Car les racisés ne demandent qu'une chose, c'est d'être traités comme des atomes républicains. Le communautarisme dont ils sont accusés n'est que celui dont ils sont victimes. Encore un effort Ah oui, et là il fait une sorte de citation. Encore un effort français. Non, encore un effort français. Si vous voulez que nous devenions républicains, pourrait-il, en paraphrasant Sade, jeter à la tête des majoritaires. Donc en gros, lui ce qu'il dit, c'est que les personnes racisées, en fait, demandent aux personnes majoritaires, qui sont donc majoritairement des personnes blanches, de faire un nouvel effort pour que réellement, il et elle deviennent républicains, et que du coup, il et elle n'aient plus besoin de revendiquer des réunions non mixtes, puisqu'ils seraient réellement traités comme des personnes républicains. Et donc, Monsieur Amsel, en fait, demande aux populations blanches d'enfin faire ça, puisque sinon ça donne du grain à moudre aux post-coloniaux et aux décoloniaux, que vous avez bien compris, ils n'aiment pas ni les décoloniaux ni les post-coloniaux. Enfin, ils n'aiment pas leur idée. Donc c'est ça que je trouve intéressant avec sa position, c'est qu'il est vraiment... il n'est pas positionné dans l'un ou l'autre camp. Enfin, en tout cas, comment il le formule, ça donne ça, quoi. Alors, il y a des gens qui disent qu'il y a des frises ou quoi. Attendez. C'est quoi les post-coloniaux, les personnes issues de l'immigration post-coloniale? Alors attendez, je vais répondre à ça. Ah, il y a des gens qui disent ça frise. Quand il n'y a pas de frise, il y a un énorme décalage. Ah bah, je suis désolé vraiment, je crois que j'ai un problème de connexion aujourd'hui. Je suis vraiment mal connecté. Désolé. Et je suis en 4G en fait, et je suis en Auvergne aujourd'hui, à Clermont-Ferrand. Donc si vous êtes en Auvergne, bonjour. Et désolé pour tous ces frises, et j'espère que dans le replay, ça va bien se mettre. Sinon, je suis désolé, vraiment. Mais bon, je peux pas faire autrement. Le son est bon, disait Wissem. Alors oui, je vais juste répondre à Shibadolov qui disait « C'est quoi les post-coloniaux, les personnes issues de l'immigration coloniale ?» Eh bien, non. Les post-coloniaux, ce sont les gens... J'ai déjà parlé de ce thème dans la vidéo qui s'appelle « Race ». Enfin, qui revient sur les vocabulaires race, racisé, justement décolonial, indigéniste, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la revue de presse numéro 5 que j'ai fait, qui est disponible sur YouTube. Tu peux voir le replay si ça t'intéresse. Et j'en ai parlé aussi au début de ce live. Les post-coloniaux, en fait, c'est une branche des anticoloniaux qui considèrent qu'en gros, suite à la période coloniale, le monde a hérité de tout un tas de conséquences en fait, du colonialisme. Et qu'il faut penser un monde, mais sans faire abstraction de cet héritage colonial. C'est-à-dire que il faut penser en prenant en compte le fait qu'il y a eu des colonies et qu'on est dans une situation post-coloniale, c'est-à-dire que la colonie est finie, mais qu'il y a les conséquences de cette colonisation et que du coup il faut les prendre en compte. Donc le courant post-colonialiste, c'est un courant qui va essayer de penser le monde en le pensant suite à la colonisation. Alors que les décoloniaux, eux, ils pensent plutôt... Enfin, ils sont d'accord avec les post-coloniaux sur un certain nombre de points, mais ils pensent en plus
que la colonisation ne s'est jamais réellement arrêtée, que juste des choses ont été transformées, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui ont été changés, mais que la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire la manière dont les pouvoirs politiques peuvent être coloniaux, a perduré. Donc ça, c'est la différence entre les décoloniaux et les post-coloniaux. Les post-coloniaux, ils considèrent que c'est passé à autre chose. Les décoloniaux, ils pensent que la colonialité du pouvoir est toujours la même et elle se transforme, mais elle n'a pas rompu. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un peu la différence entre les termes. Et après, vous avez les indigénistes, c'est encore autre chose, c'est des décoloniaux, mais qui ont une pensée spécifiquement en contexte français, qui font référence au statut d'indigène qui avait lieu dans la colonie française. Enfin bref, mais je reviendrai sur ça plus tard. Finalement, il aurait une position universaliste, mais pas pourrie par les réacs. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un universaliste, Amsel, mais qui veut pas s'associer aux autres universalistes. Il dit qu'ils sont à côté de la plaque, quoi. C'est un universaliste antiraciste. Alors, faudra lire ce qu'il écrit, mais bon, je vais continuer à lire ce qu'il dit. La situation de racisé telle qu'elle s'applique aux Noirs et aux Arabes peut sans doute être transférée également aux Juifs. Donc lui-même est juif, hein. Jean-Louis Amsel est juif. C'est pour ça qu'il se permet de dire ça. Et ça ne veut pas dire que tous les Juifs sont d'accord avec lui. Donc, il dit la situation de racisé telle qu'elle s'applique aux Noirs et aux Arabes peut sans doute être transférée également aux Juifs, qui, bien que ne faisant pas l'objet du même rejet que les deux premiers groupes, perdent néanmoins toute individualité lorsqu'ils se voient insultés. Au cours de mes séjours au Mali, donc là il continue à nous raconter sa vie, j'ai toujours été englobé dans la catégorie de Toubabou, et je n'ai jamais subi une forme quelconque d'antisémitisme qui aurait pu être liée à mon patronyme. L'antisémitisme n'existe pas au Mali, ne serait-ce que parce que les Maliens ignorent tout des Juifs. Ce n'est que dans certains milieux musulmans que la question peut se poser. Il m'est ainsi arrivé d'être interrogé sur mon appartenance religieuse. En général, pour éviter tout problème, plutôt que de dire que je suis athée, ce qui me caractérise, donc c'est-à-dire que lui, il se considère plutôt comme athée que comme juif, mais il préfère, dans les milieux musulmans maliens, dire qu'il est chrétien. Mais une seule fois, il m'est arrivé de répondre à des islamistes que j'étais juif, et j'ai immédiatement ressenti un malaise chez mes interlocuteurs. Dans ce milieu, en effet, le partage ne se fait pas tant entre ceux qui sont toubab et ceux qui ne le sont pas, qu'entre ceux qui appartiennent à l'Oumma et les autres. Le fait d'être juif pouvant être associé, comme ailleurs dans le monde, musulman, au conflit israélo-palestinien. On voit donc que l'assignation à la condition toubab est une affaire d'échelle. Tous les étrangers européens blancs ne sont pas rangés dans la même case. La couleur de la peau et l'origine géographique ne sont pas seules à intervenir dans la définition de l'identité. La religion entre également en ligne de compte. C'est dans cette voie que s'est engagée l'ex-otage Sophie Pétronin en se convertissant à l'islam, pour faire corps avec la société malienne. Sans que l'on sache si sa conversion a eu quelque chose à voir avec le fait que sa vie ait été épargnée par ses ravisseurs. Et là, on a fini l'article. C'était rapide, je vous l'avais dit, c'était rapide. Mais juste, je vais revenir sur ce qu'il a dit ici. Donc, ce que je trouve intéressant comme notion, c'est que l'assignation à la condition toubab est une affaire d'échelle. Et je pense que c'est le même cas pour toutes les questions quand on dit racisé ou autre. C'est des affaires d'échelle, en fait. Il faut le voir dans le contexte, c'est-à-dire qui se situe comme toubab ou se situe comme racisé ou autre, et à quelle échelle, dans quel contexte spécifique. C'est pour ça que je trouve que c'est important le fait de se situer toujours quand on parle. Parce que par exemple, moi je peux dire en France je suis racisé, mais si je vais, je pense, en Côte d'Ivoire, je vais être un toubab, comme je l'ai dit tout à l'heure, un farafin toubab, je crois. C'était ça le terme. Et donc en fait, cette question de comment on se définit, elle est toujours liée au contexte et à la société dans laquelle on évolue et dans laquelle on essaye de se positionner. Et quand moi je dis par exemple en France je suis racisé, je dis pas que j'ai une race, je dis que la société dans laquelle je vis fait une distinction entre moi et les autres et m'assigne à un groupe entre guillemets racial. Et même si la société sait que les races biologiques n'existent pas, le fait est que quand on me voit, on va dire c'est une personne de couleur ou bien c'est une personne noire, etc. Et donc on me racise, mais moi aussi je racise d'autres personnes qui vont être noires ou asiatiques ou autre, parce que je vais... En fait, on a été construit dans cette culture française qui a pour particularité, comme beaucoup d'autres cultures,
de raciser les gens. Et donc c'est ça qu'essaye de dire le mot racisé. En tout cas, là, je vous fais mon interprétation hein, de ce terme et on pourra en discuter par la suite. Alors, attendez. Il y a une semaine, on parlait des changements de termes France-Afrique-Afrique-France, ouais. Shibadolov qui dit... bon, je vais pas le lire parce que ça me fait trop de fleurs, mais merci. Et la femme périphérique qui dit « En Côte d'Ivoire, tu serais vu comme un gaou, je pense. » Ah bah, sans doute, sans doute. On dit premier gaou, comme disait la chanson, quoi. Juste pour finir, la dernière digression que j'avais prévue, c'était de revenir sur ce qu'il a dit sur l'ex-otage Sophie Petronin, donc, qui s'est convertie à l'islam. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Sophie Petronin, qui était justement au Mali, et qui a été enlevée, donc prise en otage, par un groupe de combattants musulmans, qu'elle ne définit pas elle-même comme djihadiste. Alors vous vous rendrez compte... On a déjà travaillé un peu, on a déjà vu des articles et des choses sur ce qui se passe au Sahel et l'opération Barkhane. Mais vous verrez qu'en France, on parle toujours de la lutte contre le djihadisme. Alors que si vous regardez le vocabulaire employé à la fois par Barkhane dans les textes officiels, mais aussi par les états-majors des pays sahéliens dans lesquels se déroule l'opération Barkhane, vous allez voir qu'ils n'utilisent jamais le vocabulaire djihadiste. Parce qu'ils considèrent que les personnes contre lesquelles ils se battent ne sont pas des djihadistes, mais sont des terroristes. Donc ça, c'est un autre vocabulaire, on peut revenir sur les mots, etc. Mais en tout cas, par exemple, les Mauritaniens tiennent bien à faire la différence entre le djihad et le terrorisme, puisque c'est un peuple, c'est une république islamique, hein, la Mauritanie, et elle considère que le djihad est une forme de combat, ou alors même une forme de méditation, enfin, c'est autre chose que ce que sont en train de faire les personnes contre lesquelles ils se battent au Sahel. Donc juste pour vous dire que le terme djihadiste est remis beaucoup en question, et c'est notamment ce qu'a fait Sophie Petronin quand elle a été prise en otage. Donc c'est une travailleuse humanitaire de nationalité française et suisse, qui est la fondatrice de l'association de l'ONG Association d'aide à Gao. Donc Gao, c'est une ville hein, du Mali, donc qui œuvre dans le domaine de l'aide à l'enfance dans le nord du Mali. En décembre 2016, elle est enlevée à Gao par un groupe de djihadistes. Donc là, vous voyez que le mot a été utilisé comme tel, alors que c'est pas forcément celui qui va être utilisé, en tout cas par les pouvoirs publics, même si les gens le disent peut-être, hein, mais voilà, qui est associée à Al-Qaïda. Après près de 4 ans de captivité, elle est libérée en octobre 2020. Elle était alors la dernière otage française dans le monde. Et je vous fais juste écouter ce qu'elle dit, Sophie Petronin, parce que justement, elle, c'est une toubab. Enfin, c'est vraiment une personne comme Jean-Louis Hamsel qui a vécu plusieurs années au Mali ou dans un pays d'Afrique de l'Ouest et qui, du coup, est vraiment appelée par les gens en permanence « Toubabou ». Et donc, elle dit... Alors, je vous avais mis une petite minute. Alors, j'avais mis que 2 minutes 30. Voilà ce qu'elle dit au moment où elle... Voilà ce qu'elle dit au moment où elle est libérée, donc, et qui a vraiment surpris beaucoup de monde. Et voilà, beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce positionnement de sa part, après avoir été justement pris en otage par des djihadistes, qu'elle ait une analyse de sa détention comme ça. Et je vous laisse écouter, parce qu'il il revient dessus, c'est ce sur quoi Jean-Louis Hamsel finit son article. Autrement, je me suis promenée. Mince. Attendez, j'ai raté. Donc, juste pour vous dire, elle s'est convertie à l'islam. Hein. Mais je crois pas que c'était pendant sa détention. Elle était déjà musulmane avant. Donc, quand elle dit j'ai beaucoup prié, là, vous voyez qu'elle est avec un voile blanc, etc. Ça fait plus référence à. Bon, je sais pas si elle est voilée hein, en général. Mais en tout cas, faut pas la penser comme la Vierge Marie. Parce qu'il y a un peu une façon dont elle a été prise en photo qui rappelle beaucoup l'imagerie. De Mère Teresa, etc. Alors qu'en fait, elle est musulmane et pas catholique. J'ai tenu bon. Et puis, j'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps. Voilà. Mais autrement, je me suis promenée, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, de l'eau fraîche. Hein. J'ai pas bu autre chose. Et puis voilà. Avant de dernière question, un mot sur vos geôliers. Sur mes geôliers? Oui. Les ravisseurs? Oui, appelez-les comme vous voulez. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime.
Il y a eu celle de 90. En 96, ils ont signé des accords de paix. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. Ce n'est pas des djihadistes, vos ravisseurs ? Pourquoi vous les appelez djihadistes ? Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que ça veut dire en français ? Oui. Djihad, c'est guerre. Mais ils ont revendiqué, ils ont demandé la libération de djihadistes dans les prisonniers avant de vous libérer. De leurs militaires, oui. Mais qu'a fait le gouvernement de transition ? Il a demandé la libération de leurs militaires. Certains ont été libérés, je ne pourrais pas dire combien, mais dans les Maliens, ils ont été libérés. Donc, si vous avez un groupe de militaires, d'armées de guerre, et qu'il y a des militaires qui se font prendre, vous allez tout faire pour les faire libérer, que vous soyez l'armée française, l'armée congolaise ou l'armée malienne, ou l'armée américaine, ils vont tout faire pour les faire libérer, ce qui est logique. Djihad, c'est guerre en français, et c'est une guerre entre des groupes d'opposition armée au régime. Ils trouveront le chemin pour la paix, je leur souhaite en tout cas vivement. Dernière question, Sophie Petronel. À Gao, vous êtes très connue. À l'époque, je vous avais rencontré là-bas déjà une dizaine d'années. Quand vous bougez, c'était tanti, maman. Et vous avez un mot pour les gens de Gao aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Oui, les gens de Gao, je les aime et ils m'aiment. Nous partageons ensemble le quotidien. Les gens de Gao, pourquoi ils sont très attachés à moi, c'est peut-être parce que je me suis adaptée à eux, manger comme eux, vivre comme eux. Ils m'ont acceptée et puis je fais partie de la famille gaoise, puisqu'on dit les Gawa, les gaoises. Je fais partie d'eux et puis je suis heureuse que mon fils ait pu me confirmer que mes programmes de lutte contre la malnutrition continuent parce que mon assistant a pu prendre la relève, il était au point, j'allais arrêter. Alors ça, c'est ce qui me rassure, que le centre d'accueil pour les enfants orphelins qui ne peuvent pas rester dans le tissu familial vont bien, ça a été vérifié, et que si mon assistant continue, ça veut dire que la Commission européenne ECHO a versé l'argent, et qu'il y a environ 26 000 enfants qui ont été pris en charge pour 2017. Vous avez envie de retourner là-bas ? Bien sûr que je vais retourner là-bas. Sophie Petronel, merci. Je vous en prie. Bon vent. Merci à RFI pour l'accompagnement. Alors voilà, du coup, c'était pour vous montrer un peu, parce que comme Jean-Louis Hamsel a choisi de finir son article sur, sur justement le choix qu'a fait Sophie Petronel de se convertir à l'islam et de tenir ce type de discours, alors qu'on n'attendrait pas du tout ça d'une femme blanche, justement, prise en otage, puisque ça a réactivé tout un imaginaire de « il faut la sauver », l'humanitaire, en fait, celle qui s'est donnée pour sauver l'Afrique, etc., et qui s'est fait prendre par les méchants djihadistes, et elle, la manière dont elle a abordé ça quand elle a été... libérée, ça a vraiment surpris tout le monde. D'ailleurs, on lui a pas beaucoup donné la parole ensuite, et je pense pas qu'elle voulait beaucoup la prendre. Mais je trouve ça intéressant comment à la fois elle déconstruit bien son rapport avec les groupes militaires qui l'ont enlevée, la situation militaire et stratégique au Mali, mais aussi à la fin comment tout revient avec les questions aussi de la personne qui l'interview sur une sorte de figure quand même très... très humanitaire dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire très colonial, paternaliste, même si là c'est une femme, où on voit quand même, enfin il y a quand même cette imagerie qui revient de la femme blanche qui vient sauver les orphelins de l'Afrique, quoi. Je trouve ça intéressant du coup de juste d'écouter ce petit moment qui condense pas mal de choses, je trouve. Stockholm, ah oui, il y a des gens qui parlent du syndrome de Stockholm. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, il y a eu beaucoup de gens qui se sont demandé est-ce qu'elle n'avait pas un syndrome de Stockholm. Je ne sais pas. Et je crois pas qu'il y ait... c'est ce qu'il a dit lui-même, je crois. Non, il n'en a pas parlé ici. Mais vous pourrez lire des articles sur elle. Vous verrez qu'il y a beaucoup cette question qui revient. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'analyse ou de diagnostic qui a été fait. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle tient cette position qui décale un petit peu les regards qu'on a l'habitude d'avoir sur les questions qui touchent au Sahel.
notamment parce que finalement la France est impliquée au Sahel. Alors, juste pour vous dire, cet article, il est donc je l'ai fini, hein, la lecture est finie, mais il est disponible donc sur mon Trello, hein. Vous tapez point d'exclamation source et le lien va s'afficher. Vous pouvez aller le trouver ensuite, sinon dans la vidéo, je le mettrai dans le replay aussi, pareil, le lien dans la description. Et donc vous pouvez aller le voir, j'ai mis mes petits surlignages, hein, donc c'est pas la version neutre, mais vous pourrez aller le lire par vous-même. Donc c'est ici, je le remontre. Quand vous allez sur mon Trello, vous avez toutes les sources de toutes les vidéos que je fais, et donc la condition tout bab. Et là vous avez toutes les sources que je viens d'ouvrir, hein, tous les articles que je viens d'ouvrir qui sont là. Et vous pouvez cliquer, et en bas, tout en bas, tout en bas, vous avez le PDF de la condition tout bab ici. Voilà. Je pense qu'on va faire le quiz. Et ensuite, alors attendez. Tac. Faire le quiz et puis ensuite on va juste débriefer un peu de cet article pour que vous me disiez ce que vous en avez pensé, si ça vous a intéressé. Hop là. Je vais vous préparer le quiz. Vous voulez retrouver? Ah oui. Alors je lis entre Mère Thérésa et Clémentine Autain, une alliée humanitariste. Ouais. Ben merci Chibadolove. Alors attendez, je vous prépare. Le petit quiz. Tac, tac. Le quiz, c'est un truc très simple, hein. C'est trois questions que je pose, enfin qui vont s'afficher sur votre écran, et vous pourrez y répondre. Et ce sera la personne qui répond le plus vite qui va gagner, et qui répond juste aussi, parce qu'il faut répondre vite et juste. C'est sur ce qu'on vient de voir, hein, sur la question de Toubab, et normalement, de la condition Toubab, normalement vous devriez voir les instructions qui s'affichent sur votre écran maintenant. Pour les personnes qui sont sur téléphone, je sais que parfois ça ne fonctionne pas tout de suite, et que du coup il faut accepter une extension ou qu'il faut descendre un peu dans la description, dans ma description pour voir justement la fenêtre qui s'ouvre. Et aussi. Je crois que si vous voulez que votre nom s'affiche dans le tableau des scores, il faut que vous acceptiez l'extension et que vous mettiez un blaze. Parce que sinon, on va pas voir. Enfin, on verra que vous avez peut-être gagné des trucs, mais on verra pas qui vous êtes, quoi. Alors attendez, j'essaie de lire vos commentaires aussi correctement. Tac, oui, on voit, je te découvre pour la première fois aujourd'hui. Je trouve son émission vraiment sympa. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci, monsieur Doigt. N'hésite pas à partager et à dire à du monde que tu connais d'aller checker. Donc tous les vendredis, je fais des revues de presse décoloniales sur des articles qui traitent d'histoire coloniale, de sujets liés à l'antiracisme, au racisme, et voilà. Et oui, et après, je vais vous montrer un truc. Ouais. Mais d'abord, on va faire le quiz. C'était la première fois que je suis ton émission. Félicitations, c'est top, c'est récurrent ou occasionnel, c'est live, utilisé Queali94. Eh bien, c'est récurrent, c'est tous les vendredis. Donc j'en ai déjà fait, là c'est le 9e aujourd'hui, mais j'en fais encore un 10e la semaine prochaine, et ensuite je pars en vacances, et après je reviendrai avec une nouvelle formule. Lyon la vérité qui dit super vidéo, première fois que je regarde, c'est un super taf. Ben, merci franchement, merci, merci. Alors est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Je vais lancer le game. Attention, attention, attention. 3, 2, 1. Jean-Louis Hamsel se décrit comme un penseur postcolonial, décolonial, républicain ou universaliste. Et il vous reste 10 secondes pour répondre. 10, 9, ah ouais, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Alors j'attends un peu vos réponses. Merci Initials AB qui dit première fois pour moi aussi, félicitations, très bien construit. Merci, merci beaucoup. Alors, je vois Queali94 qui a répondu dans le chat, mais tu peux répondre dans le jeu. Normalement, il y a le petit truc qui s'affiche et je révèle la réponse. Bien joué. Vous êtes majoritairement à avoir dit universaliste. Alors, quelques personnes ont. Personne n'a dit postcolonial. Bien joué. Vous avez bien compris. Il n'aime pas du tout l'idée postcoloniale. Il n'est pas non plus décolonial. Alors, je rappelle rapidement ce que sont les décoloniaux. C'est les gens qui pensent que la colonialité du pouvoir n'a pas cessé depuis la fin de la période, la fin officielle de la colonisation, qu'en fait les régimes politiques et les différents régimes de pouvoir ont gardé une colonialité dans leur manière de traiter les questions politiques
et de répartir le pouvoir dans le monde. Donc moi, personnellement, je suis assez proche des idées décoloniales. C'est pour ça que cette revue de presse s'appelle Revue de presse décoloniale. Mais je suis pas pour autant contre les autres. Simplement, c'est celle qui résonne le plus en moi. Après, il y a les post-coloniaux, donc j'ai déjà parlé d'eux. Les républicains, vous avez le parti des républicains, mais vous avez plus généralement les gens qui croient en la République. Jean-Louis Hamsel ne se définit pas comme républicain, aussi pour éviter, je pense, le lien avec le parti des républicains, mais aussi parce que je pense qu'il est critique, comme beaucoup des décoloniaux et des post-coloniaux, il est critique de la Ve République telle qu'elle existe, sachant que c'est pas une remise forcément en question du principe de République, mais la République telle qu'elle est en Ve République est quand même une république, une forme de république très particulière qui est assez peu démocratique. En tout cas, on peut vraiment se remettre en question sur le taux de démocratie de cette république. Et d'ailleurs, je vous conseille les vidéos de Tzi Milt. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais je vous montrerai peut-être le lien juste après, qui revient vraiment sur la manière dont, dont les structures de notre pays, les structures politiques de notre pays sont construites. Alors, il y a The Chalak. Alors, attendez, oui, je dis, il se revendique comme universaliste. Effectivement, vous avez bien trouvé. Mais pas comme les universalistes républicains ou comme les universalistes à la française, mais justement lui, il prétend pouvoir trouver une vraie forme d'universalisme qui n'est pas juste de la réaction bête aux post-coloniaux, puisque c'est ce qui donne, c'est ce qui nourrit les post-coloniaux. Et comme il n'aime pas les post-coloniaux, ben voilà. Ouais, voilà, merci 13 bis. Tzi Milt qui déconstruit très bien tout ça. Prochaine question. 3, 2, 1, et c'est parti. Le terme Toubabou entraîne Hamsel à se sentir victime de racisme anti-blanc, ou enfermé dans une étiquette, ou accepté par les populations maliennes, ou victime d'antisémitisme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'attends les réponses. Bis qui dit j'ai foiré celle-ci. Et Shibadolov qui dit tu pourrais faire présentateur télé. Alors attendez, voilà, réponse enfermé dans une étiquette, bien joué, vous êtes majoritairement à avoir dit enfermé dans une étiquette. Effectivement, ce dont se rend compte Hamsel quand il arrive au Mali et qu'on l'appelle Toubabou, c'est qu'en fait on l'enferme dans une étiquette et que il n'est son individualité est en quelque sorte niée. Et je me suis rendu compte, moi, parce que j'ai un peu voyagé aussi, pas énormément non plus, hein, mais j'ai vécu un an en Chine, par exemple, entre autres, et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes blanches, quand elles sont arrivées en Chine, que je connaissais ou que je connaissais pas, ou qui, la première fois qu'elles sont arrivées en Chine, qui se sont rendues compte qu'elles étaient blanches, et qu'en fait, on les pointait du doigt, et qu'on les regardait vraiment, et que les gens s'arrêtaient pour les regarder, etc. Et ça leur a fait vraiment un choc, et je pense que si vous êtes des personnes blanches qui regardaient ce live, et qui avaient été dans un pays étrangers, notamment les anciennes colonies françaises, mais dans d'autres pays aussi, ça peut arriver, y a souvent ce choc de se dire wow, « Waouh, en fait, on me voit, genre, je peux pas disparaître, en fait. » Genre, les gens te voient et te projettent quelque chose sur toi. Et ce truc-là, les gens ne s'en rendaient pas compte tant qu'ils étaient dans la population majoritaire qui est blanche en France. Et souvent, ce que ça crée, c'est un gros choc, une remise en question, une sorte de plein de réflexions sur l'exotisme, sur plein de choses. Mais moi, les gens que j'ai rencontrés qui étaient blanches ont rarement fait le rapprochement avec ce que peuvent vivre des personnes noires ou asiatiques, ou d'origine asiatique ou d'origine d'Afrique du Nord, enfin du coup maghrébine, en France. En fait, c'est comme si les personnes blanches se rendaient compte qu'en fait, elles ne pouvaient plus disparaître, mais elles se disaient pas « Ah, mais c'est ce que vous vivez au quotidien, en fait. C'est pour ça que vous êtes autant sur les nerfs. » Et bref, en tout cas, Jean-Louis Hamsel s'est rendu compte qu'il était enfermé dans une étiquette avec le terme Toubabou, et il a essayé de nous expliquer à quel point cet enfermement dans une étiquette pouvait avoir des conséquences, notamment sur les personnes racisées en France. Alors, Twisted. Alors, attendez, j'essaie de lire un peu. Les expats parlent beaucoup de ça, effectivement. Monsieur Doigt qui dit en Chine aussi, ouais, mais bon, j'avais déjà vécu l'étiquette du blanc. Oui, après, on peut aussi vivre cette étiquette même en étant en France. Hein. Ça dépend du milieu où on habite. Wissem qui dit c'était la deuxième, celle-là où j'en ai raté une. Oui, c'était la deuxième question. Alors, donc, voilà. Je fais. Alors, attendez, j'essaie de lire un peu ce que vous dites. Twisted Punk. Non. Hate Fury the Wizard qui dit je me suis dit que ça allait être chaud sur le chat. Si tu peux me donner. Ah oui.
Bon, c'est une question sur le chat, ok. Et Eba Didon qui dit « Au-delà du choc, ça fait mal à ce qu'on pense être son antiracisme et on se sent très con. » Ouais, effectivement, c'est vrai que ça chamboule pas mal parce que plein de gens qui se pensaient réellement antiracistes ou qui pensaient les couleurs d'une certaine manière se rendent compte qu'en fait, c'est compliqué. Alors, je fais prochaine question. 3, 2, 1... Quel célèbre administrateur colonial a écrit L'âme nègre publié en 1922 ? Est-ce que c'est Jules Ferry, Joseph Gallieni, Georges Barthélémy ou Maurice de la Fosse ? 10, 9, 8, 7. Alors je répète la question. Quel célèbre administrateur colonial a écrit L'âme nègre en 1922 ? Désolé, là j'avoue que j'ai mal posé la question. C'était rapide. Un peu trop rapide. Alors, bon, j'ai pété les scores, notamment, dit Chalachaka, Chalachaska. Bah, j'espère pour toi. Hein. Reveal answer, eh bien, c'était Maurice de la Fosse. Bien joué, vous êtes majoritaire à avoir trouvé. Alors, je répète, quel célèbre administrateur colonial a écrit L'âme nègre publié en 1922 Bah, Jules Ferry, il n'a pas écrit ça. Hein. Il a fait le discours sur la mission civilisatrice de la France qui doit civiliser les peuples non civilisés, justement. Mais c'est pas la même chose. Ça, c'est un discours qu'il a tenu au Parlement. Joseph Gallieni, il a écrit La pacification de Madagascar. Il a écrit la théorie... Enfin, il a théorisé la politique de race qui consiste à diviser les peuples colonisés en ethnies, en fait. Enfin, à prétendre qu'il existe des races qui ont des intérêts différents. Ce qui permet, en fait, à l'administration française d'arriver et de surplomber toutes ces races et donc de les dominer. Donc ça, c'est vraiment Joseph Gallieni qui le théorise bien dans Pacification de Madagascar, que vous pouvez lire, il a des statues un peu partout. Georges Barthélémy, c'est plutôt un député colonial qui est très intéressant, qui écrit beaucoup dans le quotidien qui s'appelle Les Annales Coloniales, qui est paru pendant toute la période coloniale. Donc c'est un journal qui paraissait au moins tous les 2 jours. Je ne sais pas si c'était tous les jours, mais c'était plusieurs fois par semaine. Et donc Georges Barthélémy écrivait énormément dedans. C'est notamment lui qui a écrit sur la propagande coloniale scolaire, un article sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Si je ne me trompe pas, c'était lui qui l'avait écrit. Ouais. Et Maurice de la Fosse, donc celui qu'on a vu, qui est un personnage très important pour Jean-Louis Hamsel, et qui a donc écrit « L'âme nègre », et qui a beaucoup contribué à l'invention, par l'administration coloniale française, de la langue qu'on appelle le petit nègre. Et je montre les résultats. Finaux, effectivement, The Chalachaska qui a gagné, mais avec brio. Bien joué, je sais pas comment tu l'as su, mais bien joué. En deuxième, c'est Contestant 39, je ne sais pas qui tu es. Twisted Punk en troisième, bien joué. La Femme Périphérique, quatrième. Lisateur en cinquième. Initials AB en sixième. Libune en septième. Rokia, huitième. 13 bis, neuvième. Bien joué, 13 bis. T'es dans le top 10. Contestant 33 en 10e, Gigi Boulet qui est en 11e, Nibbler qui est 12e, après il y a Contestant 64 et 71, ensuite on a Crincis qui est 15e, Contestant 75 qui est 16e, Amandine 17, Lily Kaku 19e, Hate Fury the Wizard 20e, Jean Byrne 22e, Nakacha 28e, Isil Ring 29e, Brocoli Malin 33, Anna Tartine, 34e, vous êtes beaucoup aujourd'hui. Sercona, 37e. Monsieur Doigt, 38e. Et Bertil, 13, qui est 39e. Avec moins 12. Ben là, je dirais pas bien joué Bertil pour ce coup-là. Mais ce sera pour une prochaine, tu pourras te refaire. Shiba de Love qui dit je suis 32e. Alors attendez, qui est le contestant de 33 ? Claire Rookie, je crois que c'est moi le contestant de 33, car je l'ai surligné en orange. Ah, c'est possible. Je sais pas exactement comment ça s'affiche. Zélior qui dit « Je suis troisième. Cool. Hihi. » Non, mais j'ai un ping nul. Ah. Pour ma défense, j'ai répondu à une question foirée. Sercona. Très bien. Je note. Alors voilà, c'était un peu... Alors je end le game. Hop. Et bien c'était la lecture du coup. De l'article La condition tout bab de Jean-Louis Hamsel. J'espère que ça vous a permis de découvrir le personnage de Jean-Louis Hamsel et que ça vous a donné envie d'aller voir ce qu'il écrit. Aussi la position compliquée qu'il a. Moi, comme je vous dis, je suis pas fan des idées de Jean-Louis Hamsel en soi.
C'est juste que je trouve que parmi les critiques du postcolonialisme et du décolonialisme, c'est un des plus pertinents et un des plus dans le dialogue aussi avec les différents penseurs que moi je préfère, qui sont ceux qu'on a cités déjà, mais il y en a plein d'autres. Et je voulais juste vous montrer. Alors attendez. Je vais vous montrer juste un article qui est paru aussi sur des observatoires. Voilà. Perso, il m'a pas vraiment convaincu. Manzel Oui, qui dit ça. Kelly 94 qui dit, pourrais-tu faire un live de recommandation de livres? Mon Suédois qui dit, j'ai une seule question et apparemment j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors Monsieur Doigt, n'hésite pas à poser ta question. Pour le Twitch de livres, je ne sais pas si je vais pouvoir faire un live sur ça. En fait, ça demande pas mal de temps de préparation. Peut-être que je peux faire une. Peut-être que je le ferai à un moment, mais pas tout de suite. Je préfère me concentrer sur la lecture d'articles pour l'instant, parce que ça demande quand même pas mal de taf. Et si je fais un truc de livres en plus, il faudrait que les livres, que déjà les éditeurs me les envoient gratos et que j'ai des partenariats avec eux. Et peut-être que oui, je le ferai. Manzel Wiwi qui dit qu'il m'a pas vraiment convaincu, ouais, t'as le droit de pas être convaincu du tout. C'est très bien. Et moi, je suis pas forcément non plus totalement convaincu, mais juste je trouve que c'est bien de parler aussi de gens qui sont pas forcément en accord avec nos idées et de voir comment ils le font, comment ils le disent. Et je trouve que lui, il le fait assez bien pour le coup. Et alors attendez, je prépare juste un truc qu'il faut que je vous montre. Tic 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 tic. Alors, je le retrouve pas. Et je lis juste vos commentaires dans ce cas. J'ai aussi l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a une expérience du terrain. Ouais, effectivement. Quand il parle, donc c'est Antoine Arinda qui dit ça. Quand Jean-Louis Amsel parle de Toubab, c'est vraiment de son expérience d'être allé au Mali, d'avoir vécu au Mali et d'avoir été confronté vraiment à ce phénomène de finalement être appelé Toubabou dans la rue, que les gens te suivent en te disant Toubabou, Toubabou. Et c'est pas quelque chose qui t'arrive vraiment en France métropolitaine. Hein. Posture intéressante, mais universaliste, dit Shibadolove. Krinsy qui dit en tout cas trop cool ton live, surtout les sources que tu sors à chaque fois, qui correspondent à ma manière des recherches. Merci pour toi. Merci à toi plutôt. Shibadolove, à bientôt. Merci d'être venu. Bonne soirée, merci d'être passé. As-tu une idée du thème du prochain live? Non, je n'ai pas d'idée du thème du prochain live, Wissem. D'ailleurs, bonjour à toi, Wissem. Ça fait plaisir de te voir ici. Hein. Je l'ai peut-être déjà dit au début, mais je le répète. Et je ne sais pas, en fait, mon prochain live parce que je le décide dans la semaine. En général, c'est le jeudi que je décide en ayant lu à peu près une quarantaine. Enfin, je check une quarantaine de sites web qui m'intéressent, qui ont des articles sur les histoires post-coloniales, décoloniales, etc. Et je check ce qui est intéressant et je choisis quelque chose dans ce qui est paru dans le mois, on va dire. Et donc c'est comme ça que je fais mon choix. Donc là, je ne sais pas du tout sur ce sur quoi ça va être, mais ça va être mon dernier live de la saison. Et juste, je finis sur une petite image. Parce qu'en fait, il y a donc là, je vous ai montré notre ami Jean-Loup Amsel. Enfin, je dis notre ami de manière générale. Hein. C'est pas vraiment notre ami, mais quand même. Qui était donc un critique du postcolonialisme et du décolonialisme, mais il y a aussi l'observatoire du décolonialisme qui est vraiment la frange la moins intéressante, je trouve, de la critique du décolonialisme. Et donc eux, c'est des gens qui traitent le décolonialisme comme une vilaine idée terroriste. Et donc c'est souvent eux qui inspirent des gens comme notre ministre de l'Éducation supérieure, comme notre ministre de l'Éducation tout court, comme le gouvernement, en fait, sur la manière dont il faut traiter. C'est eux qui font tous les articles du Point et tout quand ils disent les nouveaux réactionnaires, etc. Bref, c'est eux. Et ils ont sorti, en fait, ils se sont essayés aussi à des lives sur YouTube. Et donc cette semaine, ils ont sorti un live d'une heure qui s'appelle, où ils remettent en question le concept de race en sciences humaines. Et donc vu qu'on est sur un live où on montre un peu les contradicteurs, voilà, il y a l'Observatoire du décolonialisme qui a publié cette vidéo, La race en sciences humaines et sociales, un concept point d'interrogation. Et qui essaye de critiquer. Alors, je ne l'ai pas encore vu en entier, donc je ne vais pas vous faire un clash de ça, mais en tout cas, je vous dis que si vous n'êtes pas d'accord avec le décolonialisme, le postcolonialisme, etc., allez checker ce qui se dit ici. Je trouve que c'est de l'argumentaire souvent de mauvaise qualité, de gens qui sont de très mauvaise foi, qui soutiennent beaucoup aussi Rachel Kahn, ce qui est assez surprenant, qui n'est pas surprenant du tout, mais qui donne bien un peu la direction dans laquelle ils vont.
et que justement c'est là où je trouve intéressant Jean-Louis Hamsel, parce que lui il les clash beaucoup, mais pour autant il déteste quand même les postcoloniaux et les décoloniaux. Voilà, c'était pour finir sur ça. Et 13 bis qui dit c'est l'enfer l'observatoire. voilà, c'était juste pour vous finir sur ça. Et puis si jamais vous avez aimé du coup cette revue de presse et mon travail en général, il y a aussi j'ai un Tipeee, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Moi je fais une dernière revue de presse vendredi prochain. Là ça a duré moins de 2 heures, c'est génial, franchement c'est cool. Donc on va s'arrêter très 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 vite là dans quelques instants. Lintia qui dit merci de nous faire découvrir toutes ces ressources et de rendre les contenus accessibles. Rendez-vous du vendredi soir du kiff en rude période de confinement. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton retour, Lintia. Et 13bis qui dit il faut qu'on organise ça dans les Discord, les regards de ce genre de trucs, vu que c'était demandé après Rachel Kahn. Ouais, c'est vrai. Ah oui, qu'est-ce qui change avec mon affiliation? Parce que maintenant je suis affilié Twitch. C'est que vous pouvez normalement m'envoyer des thunes, mais j'ai pas encore compris comment ça marche et j'ai pas paramétré les trucs. Et je crois qu'il y aura des nouveaux emotes que je vais pouvoir faire, mais je sais pas faire des emotes. Donc faudra qu'on voit ça ensemble. Pour les personnes qui connaissent bien Twitch, on pourra essayer de créer des vrais emotes, quoi. Eh bien, merci beaucoup à tous et toutes d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Ça faisait grave plaisir. J'étais content de partager cet article avec vous. Et j'espère que ça vous a servi, qu'il y a des choses que vous avez retenues. N'hésitez pas à partager, voilà, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, donc Histoire Crépue, sur laquelle je mets tous les contenus. Une fois qu'ils sont publiés, je mets tous les replays de Twitch qui sont là. Et voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors, je change d'écran. Ah oui, un petit raid. Bien joué, petit Cam. Merci pour le rappel. On fait un petit raid pour terminer. Je check qui est en ligne en ce moment. Hop. Tac. Je sais pas si vous avez une idée. Je suis arrivé à la fin. Je reviens la semaine prochaine. Kerter Meuf. Bah, tu seras la bienvenue la semaine prochaine. N'hésite pas à venir nous voir. Tu peux retrouver le live en replay. C'était très très intéressant. Et voilà. Et je vous envoie dans un raid. Où est-ce qu'on va aller? Bah, il y a comme vous dites, hein, qui fait sa revue habituelle. Je sais pas si. Sinon, j'attends un peu vos suggestions, comme vous dites. Alors, Dark Patapoum qui dit j'arrive à la fin. Ouais, désolé, aujourd'hui on a été un peu plus rapide que d'habitude. Mais c'est comme ça. Et. Je vous envoie en raid. Tac tac chez. Comme vous dites. Vous lui passez un grand bonjour de ma part. Et voilà. Hein. À bientôt sur Histoire Crépue. Attendez, je lance le raid. Voilà, dans 9 secondes, 8, 7. Eh bien, merci d'avoir suivi ce live jusqu'au bout et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!